Alors, écoutez, merci de l'invitation. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Bordeaux. Merci d'avoir organisé cet événement. C'est important de célébrer cet anniversaire de cette manière-là, avec un regard historique, un rappel. Je crois que pour beaucoup, ça sera sinon une découverte, mais au moins des rappels utiles. Et puis, merci aussi, monsieur le consul, des propos très aimables d'introduction et de présentation. Merci aux collègues qui ont pu se libérer. Je salue au premier rang des amis qui sont présents, Michel, voilà, ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui, aussi nos échanges à Coimbra il y a quelques mois, donc merci d'être présent. Et donc pour vous parler de cette révolution, oui, singulière, alors je vais essayer de vous faire, non pas un cours, mais une conférence un peu explicative, pédagogique, sur ce qu'a été le 25 avril, et on ne peut pas comprendre le 25 avril si on n'essaye pas de se souvenir de ce qu'a été la situation avant le 25 avril, c'est-à-dire le 24 avril, si vous voulez, 1974. Quelle était la situation du Portugal juste avant la révolution des œillets? Et la première partie sera donc consacrée à cette approche. Je l'ai appelée un matin qui vient de loin, mais effectivement, il y avait un certain nombre de signaux avant-coureurs. Ce qui est important et sur lequel on insistera ensuite dans un deuxième temps, le 25 avril, ça désigne à la fois une journée, le jeudi 25 avril 1974, sur lesquels on reviendra, sont déroulés tout à fait singuliers, avec en une seule journée, en moins de 24 heures, une dictature vieille de 48 ans qui est renversée. Et donc ça, évidemment, du point de vue de l'histoire comparée, c'est extrêmement rare, voire unique. Et puis ensuite, c'est toujours quelque part désigné sous ce terme, dans le prolongement, on a un processus qui va se mettre en place, qu'on qualifiera bientôt de processus révolutionnaire en cours, le PREC, et qui s'étage sur plusieurs mois. Et c'est une période d'une très grande complexité qui met en scène plusieurs acteurs, souvent concurrents, opposés, avec des attentes, des idées, des objectifs qui ne sont pas les mêmes, un mouvement des forces armées, des forces politiques, le pouvoir populaire, bref, toutes ces choses-là qui vont se télescoper pendant plusieurs mois et donner naissance au bout de 2 ans à peu près, au printemps 1976, à ce qu'on a appelé la démocratie portugaise, née du 25 avril, cette transition démocratique qui s'épanouit dans une constitution, le 2 avril 1976, des élections libres. En avril 76, 2 ans jour pour jour, le 25 avril 1976, les élections législatives, l'élection d'un président de la République au suffrage universel au mois de juin 1976, et donc un processus qui a donné naissance au Portugal d'aujourd'hui, ce Portugal démocratique, dont on parlera dans un troisième temps en s'interrogeant sur la mémoire du 25 avril, la commémoration du 25 avril, et évidemment nous aurions fait cette conférence il y a 6 mois encore, elle aurait eu certainement une autre tonalité. Mais vous avez peut-être suivi l'actualité portugaise des dernières semaines, et notamment les élections qui ont eu lieu le 10 mars dernier. Donc je ferai un petit détour et une petite, plus qu'une allusion, à ces élections et les répercussions que ça va avoir sur la commémoration du 50e anniversaire dans quelques jours. Alors, c'est là que je vais éteindre tout, si j'appuie moi-même. Donc on va partager, je vous ai préparé un petit diaporama pour que ça soit un peu plus vivant. Voilà. Donc que vous ayez tous accès, je crois que c'est en visio aussi, donc que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. Donc on va commencer par le commencement, si on peut dire, c'est-à-dire le Portugal avant le 25 avril 1974. Donc bon, ça on va. Voilà. Alors. Un matin qui vient de loin, comme je l'expliquais, c'est d'essayer de comprendre comment ce 25 avril est advenu. C'est-à-dire qu'on parle souvent, et à raison, d'une transition par rupture, autrement dit, un événement soudain qui se produit au printemps 1974, qui prend par surprise les autorités du régime. Et c'est cette tonalité, si vous voulez, qu'il faut avoir en tête pour essayer de comprendre, de mieux apprécier en quel point cet événement est singulier, l'événement 25 avril, même si les signaux avant-coureurs étaient nombreux.
Alors, le matin qui vient de loin, on pourrait remonter, et ça a été rappelé tout à l'heure dans le propos introductif, nous sommes dans une dictature au Portugal qui a été instaurée le 28 mai 1926 par des militaires qui ont renversé la République parlementaire, elle-même en place depuis 1910. Hein, il faut toujours se souvenir que le Portugal, avant la Grande Guerre, est le seul pays en République avec la France et la Confédération helvétique, mais c'est un peu particulier. Donc deux pays en Europe avant la Première Guerre mondiale qui sont des républiques, dans le Portugal, précoce. Mais cette république parlementaire va être renversée par les militaires pour un certain nombre de raisons le 28 mai 1926 et laisser place à donner les clés, littéralement, au bout de quelques temps, à un non-militaire, un civil, qui est professeur d'université à l'université de Coimbra, qui est professeur d'économie à la faculté de droit à l'université de Coimbra. Et c'est cet homme, technicien des finances, comme il se présentait lui-même, magicien des finances, dira la propagande, qui va s'imposer comme la personne incontournable auquel les militaires vont finalement décider de confier les clés du gouvernement en 1932. Lui-même est arrivé aux finances en 1928. Et à partir de 1932, eh bien, il va véritablement mettre en place cet état policier dont on parlait tout à l'heure, l'État de Novo, l'État nouveau, qui est promulgué, qui est mis en place avec une constitution écrite par des universitaires qui rend très difficile, voire impossible, l'exercice des libertés publiques et qui va véritablement verrouiller le pays pendant de très nombreuses années. Donc c'est des décennies plus tard, ce régime-là qui va être renversé par les capitaines d'avril le jeudi 25 avril 1974. Alors c'est un régime, comme ça a été dit tout à l'heure, qui a survécu à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, et c'est une des rares dictatures nées dans l'entre-deux-guerres qui a passé le cap de la Seconde Guerre mondiale, avec une certaine habileté de Salazar qui a beaucoup joué de sa proximité avec l'Angleterre, la vieille alliance anglaise, et qui a mis en avant les gages qu'il avait donnés à l'Angleterre, notamment en lui concédant des bases, une base aux Açores, enjeu stratégique dans le contexte de la guerre atlantique. Et donc c'est cet homme qui allait promettre des élections aussi libre que dans la libre Angleterre en 1945, qui allait survivre, qui allait passer les temps, les périodes et savoir durer, comme on l'a beaucoup dit, non sans habileté, aussi un concours de circonstances avec l'aide providentielle. Il aimait beaucoup faire recourir à la thématique de la providence dans ses discours. L'aide providentielle de la guerre froide. La guerre froide allait véritablement sauver le régime salazariste parce que, avec l'anticommunisme viscéral qui était le sien, eh bien évidemment, dans le contexte post-seconde guerre mondiale, cette haine absolument incroyable de l'Union soviétique et de Moscou, eh bien, il allait se placer dans le camp occidental et devenir, le Portugal, membre fondateur de l'Alliance Atlantique. Et on ne peut pas comprendre la survie du régime si on ne l'inscrit pas aussi dans cette dynamique atlantique née de la signature du traité de Washington en avril 1949. Le Portugal est alors membre fondateur, et pas l'Espagne. L'Espagne de Franco est laissée de côté à ce moment-là. Elle est tenue encore avec beaucoup de méfiance par les Occidentaux. Salazar, non. Salazar est un allié très courtisé par les Occidentaux, les Américains en tête, qui vont, à partir de la signature du traité de 1949, multiplier les échanges avec le Portugal, des bases, bien évidemment, un intérêt stratégique militaire, des visites aussi de personnalités de premier plan, comme le général Eisenhower, chef, enfin le président américain, qui, lors d'une de ses dernières visites, eh bien, rencontre Salazar en mai 1960. Vous avez la photo ici derrière moi. Donc c'est ce personnage qui est adoubé, aidé par les Occidentaux, qui va se survivre et qui va installer, continuer ce régime extrêmement policier avec l'absence de liberté publique, on le dira beaucoup, la police partout, la justice nulle part. Et j'en arrive au commencement de cette affaire et l'ombre portée qui va s'étendre jusqu'au printemps 1974. C'est l'année 1958 avec deux événements quasi synchrones qui vont se produire en 1958. Le premier événement, c'est deux événements donc importants parce que qui signifie la prise de distance d'une partie ou du moins de certains militaires et d'autre part de certains catholiques à l'égard de piliers essentiels du régime. Les militaires, c'est l'affaire du général Delgado. Vous avez derrière moi, en photo, ce général qui a fait toute sa carrière au sein de la hiérarchie de l'Estado Novo, qui a été
nommé chef de l'aviation civile en 1945, qui a créé la compagnie aérienne nationale que vous connaissez, la TAP, qu'il a créée en 1945 et qui va être nommé d'abord comme conseiller militaire au Canada et puis surtout conseiller militaire, attaché militaire auprès de l'ambassade du Portugal à Washington et en 1953. Et donc c'est aux États-Unis qu'il va construire une démarche, une réflexion très critique à l'égard du régime et notamment de l'image de Salazar. Il est admiratif des campagnes à l'américaine qui sont organisées, celle d'Eisenhower notamment, pour lequel il nourrit une grande admiration. Et c'est cet homme, quand il rentre au Portugal en 1957, une fois sa mission accomplie, une fois avoir consulté, été travaillé beaucoup avec les Américains au Pentagone, c'est le représentant du Portugal dans un certain nombre d'instances militaires, et c'est l'Alliance Atlantique qui joue pleinement. Eh bien, il rentre au Portugal en 1957, il a rencontré un certain nombre d'opposants au régime salazariste, et ceux-ci vont le convaincre que le moment est peut-être venu de faire quelque chose. Et faire quelque chose comment ? Vous me direz, parce que dans un régime cadenassé, où les élections sont organisées, mais ce sont des élections sans choix, avec des candidatures uniques, avec un parti unique, comment faire ? Ben, il y a une faille un petit peu dans la constitution de l'État nouveau, c'est que la présidence de la République, eh bien, on peut s'y présenter formellement. Il n'y a pas d'interdiction dans la Constitution même. Donc, on peut faire acte de candidature. Mais jusque-là, pratiquement personne n'a essayé. Un général, en 1949, républicain s'y est risqué, mais a dû renoncer en cours d'exercice. Et lui, en rentrant au Portugal, aux élections qui sont prévues au mois de juin 1958, il dit « Je vais poser ma candidature ». C'est un général reconnu, respecté. Et au début, la méfiance n'est pas totale, parce que le régime lui-même entend présenter son candidat officiel, qui a toutes les chances d'être élu, sauf que Delgado, il va multiplier les initiatives et mener une campagne très très dynamique pour l'américaine, comme il le dira, et d'ailleurs beaucoup le présente à l'époque comme le général Coca-Cola, et vous savez qu'au Portugal, on n'a pas le droit de boire du Coca-Cola sous le régime salazariste, donc c'est bien pour signifier qu'il est presque déjà quasiment un traître à la patrie, et dans la rhétorique salazariste, traître à la patrie, ça veut dire beaucoup, qu'on travaille contre le bien de la nation, et le bien de la nation, c'est essentiel. Eh bien, Delgado va poser sa candidature et aller, comme il dit, jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout parce qu'il considère que c'est à la fois son devoir, il prendra tous les risques, et il devient, pour une partie des Portugais, de l'opposition, eh bien, le général sans peur, celui qui va prendre tous les risques. Et à tel point que, lorsqu'il est interrogé par la presse internationale qu'il a convoquée à Lisbonne au mois de mai 1958, un journaliste français de l'AFP lui demande « Mais si vous gagnez l'élection ?» Qu'est-ce que vous faites de Salazar ? Alors c'est une bonne question parce que la Constitution de 1933, elle prévoit une chose, c'est que le numéro un de l'État, c'est pas Salazar, c'est le chef de l'État, c'est un militaire jusque-là, et ça a toujours été des militaires, mais avec Salazar évidemment qui tire les ficelles et qui n'a pas à se méfier des militaires qui ont été en poste comme président de la République, chef de l'État depuis. Mais en 1958, avec la candidature d'Elgado, la question elle se pose différemment, et le chef de l'État, il nomme et révoque le président du Conseil, ce qu'est Salazar, le Premier ministre, si vous voulez. Et donc, le général Delgado, à cette question, il regarde le journaliste français et il lui dit, mais obviamente, évidemment, mais je le vire, je me débarrasse de lui, je le démets de ses fonctions. Donc c'est un tollé, évidemment, une traînée de poudre, parce que Salazar, quelqu'un qui dit clairement « je le renvoie », d'abord, depuis 1928, qu'il était aux finances, personne ne lui avait parlé comme ça, et ça, évidemment, ça met tout le régime en émoi, et dans les jours qui suivent, évidemment, les problèmes se multiplient pour la candidature de Delgado. Et ce général va recevoir aussi le soutien du Parti communiste clandestin, qui décide très officieusement, puisque tout est évidemment cadenassé dans le régime salazariste, de laisser entendre que son candidat eh bien, sera le général Delgado. Alors ça, évidemment, pour le régime, c'est bien la preuve que Moscou est derrière, que les soviétiques sont à la manœuvre, et donc le général Delgado va avoir beaucoup, beaucoup de soucis pendant toute sa campagne. Alors, il va perdre l'élection au mois de juin, mais il va perdre avec les honneurs, hein, il obtient moins de 25% des suffrages, on bourre les urnes, il n'y a pas d'observateur pour le général Delgado, donc on fait un petit peu n'importe quoi dans les bureaux de vote, mais évidemment, on parle à l'époque de tremblement de terre. Terremoto, c'est le séisme Delgado. Et le séisme Delgado, eh bien, les répliques, l'onde va se faire ressentir jusqu'en 1974, parce qu'il a ouvert une brèche. C'est l'homme qui, pour la première fois, s'est levé et dit très clairement « Non, Salazar a fait son temps, il faut s'en débarrasser ».
Alors, lui-même ne tient pas de gain de cause. Après, sa vie va être évidemment très très compliquée. Il va devoir quitter l'armée, s'exiler au Brésil. Et puis en 1965, car Salazar ne pardonne jamais, la police politique, la PIDE, dont on parlait tout à l'heure, va assassiner ce général sans peur à la frontière espagnole. Il cherchait à rentrer au Portugal. Il avait mené plusieurs actions dans les mois et les années qui précédaient. Et donc, il va être assassiné par un commando de la PIDE et sauvagement assassiné en février 1965. Mais le souvenir de Delgado va se maintenir et les capitaines d'Avril revendiqueront souvent longtemps son image, sa parole. Et puis le deuxième événement important, c'est l'autre personnage que vous voyez à l'écran, sur la partie ici, derrière moi, donc sur... voilà. C'est vous. Ah ben c'est moi. Non, c'est, je vous rassure, j'ai un certain âge, mais je n'étais pas en situation, comme on disait à l'époque, en 1958. Alors ce personnage qui prend mes traits malicieusement, c'est l'évêque de Porto. L'évêque de Porto, il se fait entendre à l'été 1958 en envoyant une sorte de mémorandum pour rencontrer Salazar. Et en fait, il lui fait part d'un certain nombre d'interrogations qui sont les siennes sur le système tel qu'il est organisé par le régime et le maintien, voire l'aggravation de la pauvreté, des injustices sociales. Il dit, mais nous sommes des hommes d'église, nous sommes des femmes, nous avons la foi, nous sommes catholiques tous les deux, et je ne comprends pas qu'après toutes ces années d'exercice du pouvoir, eh bien, le Portugal soit toujours dans cette situation d'extrême pauvreté, d'une pauvreté entretenue par le régime, car c'est une manière de l'obéissance, de conserver cette obéissance, cette docilité, et faire vivre habituellement le Portugal, comme disait le régime, eh bien, comment s'expliquer une telle situation? Et cet évêque de Porto veut rencontrer Salazar. Salazar ne le rencontrera pas, bien évidemment. Il va même s'inquiéter beaucoup auprès de la hiérarchie catholique de ce qui est en train de se passer. L'évêque de Porto va être invité au bout de quelques semaines, en lien avec le Vatican, le Saint-Siège, à faire un voyage d'oxygénation et de réflexion à Rome, en Italie. Donc il va quitter le Portugal. Son diocèse va être confié à son adjoint. Quand il voudra rentrer au bout de 3 mois, on lui avait dit c'est un voyage d'études et de réflexion pour 3 mois, et bien à la frontière, la PIDE lui signifiera qu'il faut continuer à voyager, notamment en Italie, en Europe, les voyages forment la jeunesse. Il ne rentrera au Portugal que 10 ans plus tard, en 1969. Mais là aussi, une partie de la hiérarchie militaire a été ébranlée. Beaucoup de militaires se sont posés un certain nombre de questions. L'image de Delgado est très forte. Et de la même façon, chez les catholiques, cet évêque de Porto va émettre un signe fort et qui va conduire un certain nombre de catholiques dits progressistes dans les années 1960 à prendre un pas de côté, à faire un pas de côté à l'égard du régime. Et il faut savoir que c'est très important ce que j'essaie de vous expliquer, parce que venant d'un militaire, la contestation venant d'un militaire au gradé, je vous ai dit, les militaires avaient confié les clés du gouvernement et de l'État, en quelque sorte, à un civil, Salazar. Les catholiques étaient la pierre angulaire du régime salazariste. Hein. On ne peut pas comprendre, là aussi, le régime salazariste sans mettre en lumière le rôle de l'Église catholique. Et puis le troisième pilier, le patronat, on va le voir, va également prendre un certain nombre, sinon de distance, mais d'interrogation quant aux priorités du régime salazariste émises à la fin des années 1950. Est-ce qu'on va appelé le colonialisme tardif. Alors, venant de cela, bon, je vais passer très vite, l'année 1961 va aller un peu dans le sens que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire va de nouveau ébranler fortement le régime salazariste, avec une succession de crises qui vont s'enchaîner tout au long de l'année 1961, notamment la prise du paquebot Santa Maria, qui a lieu en janvier, à la fin du mois de janvier 1961, vous voyez l'image avec la une de Paris Match, qui est organisée en sous-main par le général Delgado, dont je viens de vous parler, avec comme homme de visibilité Henrique Galvão, qui est un opposant, qui est devenu un opposant au régime après avoir été un turiféré, un admirateur de l'Estado Novo dans les années 1930 et notamment de sa politique coloniale. Et donc ce sont ces hommes-là qui vont prendre d'assaut un paquebot de croisière portugais qui navigue dans les Caraïbes et qui va être arraisonné et pour porter l'attention des médias internationaux sur la situation du Portugal et de l'Espagne franquiste.
Alors, les mutins vont pouvoir être libérés, d'abord les passagers, 650 personnes, au Brésil, qui va jouer le rôle de bons offices dans cette crise, mais l'alerte va être très très grande pour le régime salazariste, parce que ça attire l'attention des médias internationaux, et notamment à la manœuvre, l'administration Kennedy américaine, qui vient d'être élue, mise en place, hein, le nouveau président américain, qui lui ne fait pas mystère de son hostilité à la politique coloniale, notamment du régime salazariste. La deuxième salve, eh bien, c'est en février-mars 1961, le début de la guerre coloniale en Angola, les premiers soulèvements qui ont lieu en Angola en février et mars 1961, qui vont entraîner une reprise en main extrêmement forte du régime salazariste et une volonté farouche de défendre bec et ongles l'Empire, ce qu'on appelait l'outre-mer à l'époque, c'est-à-dire la survivance de cette expansion maritime séculaire sur lequel le régime s'appuyait depuis des années et des années pour dire le Portugal n'est pas un petit pays. Le Portugal n'est pas un petit pays parce qu'il a derrière lui des colonies, des provinces d'outre-mer, en Angola, au Mozambique, en Guinée et même Goa, on va en parler dans quelques instants. Et bien c'était tout ça qui permettait au Portugal d'incarner au régime, d'incarner une fois une sorte de continuité historique et puis cette idée de grandeur d'une nation pluricontinentale qu'on dira bientôt du Minho jusqu'à Timor, bref, étant présente sur tous les océans. Et donc cette guerre coloniale va être véritablement pour le régime le commencement de la fin, mais à l'époque évidemment il est totalement arc-bouté sur ses convictions et sur cette volonté farouche que Salazar a de préserver coûte que coûte, malgré les vents contraires de l'histoire, de préserver l'outre-mer. Troisième coup de semonce, là aussi je masque ce personnage, ce n'est pas moi, mais en avril 1961 vous avez le ministre de la Défense qui tente un coup d'État en interne, au mois d'avril, beaucoup aidé, inspiré par l'administration américaine, pour promouvoir d'abord une évolution interne du régime, et aussi une politique ultramarine un peu différente, c'est-à-dire qui s'orienterait déjà vers une forme de Commonwealth à la portugaise. On en reparlera ensuite avec le général Spinola notamment, mais cet homme, donc le général Botelho Moniz, va réaliser ce coup d'État, qui va échouer, Salazar ayant été alerté, et Salazar va prendre en main la situation très brutalement et devenir lui-même ministre de la Défense pendant quelques temps. C'est le plus sûr moyen, finalement, de voir ses instructions respectées à la lettre. Mais on voit bien qu'en interne, sur la scène internationale, il y a un certain nombre de signaux qui sont émis. Et puis, autre coup de semonce terrible pour le régime, notamment d'un point de vue symbolique, c'est l'image qui est tout en bas, c'est l'occupation de Goa au mois de décembre 1961. L'occupation de Goa, c'était ce qui restait de l'État portugais de l'Inde. Vous avez peut-être des réminiscences, souvenirs historiques, mais l'aventure, l'expansion maritime portugaise, elle était passée par un grand fait historique, maintes et maintes fois célébré, le voyage en Inde, l'arrivée en Inde de Vasco de Gama en 1498, et qui avait permis la naissance, quelques années plus tard, de ce qu'on allait appeler l'État portugais de l'Inde, avec comme capitale Goa, un archevêché et une capitale administrative de cet improprement appelé Empire portugais de l'Inde. Et donc Goa était portugais depuis le début du XVIe siècle. Et en 1961, Nehru, le premier ministre de l'Union indienne, l'Union indienne indépendante qui avait acquis son indépendance quelques années auparavant de l'Angleterre, eh bien, Nehru considère que la situation est bloquée. Il demande à corps et à cri depuis des années de récupérer Goa, qui est indienne à ses yeux. Salazar s'y oppose pour les raisons que j'ai évoquées. Et là, Nehru décide, en décembre 1961, d'envahir Goa. Et en quelques jours, en deux jours, 50 000 hommes sont sur place contre 3 500 soldats de la garnison portugaise, qui est obligé très rapidement de capituler. Et ça, pour Salazar, on ne capitule pas. Il avait demandé de se battre jusqu'à la mort. Et les officiers qui sont sur place vont être amenés, rapatriés au Portugal, et l'officier général qui commande la garnison de Goa va être jugé par un tribunal militaire et condamné à la prison. Et ça, pour les militaires, porter le chapeau de cette manière-là sur une action qui était perdue d'avance, ça va laisser un certain nombre de traces. J'avance. Je vois votre regard inquiet. Alors, bon, les vents contraires. Non, mais j'essaye. Il y a une progressivité. C'est comme dans les séries Netflix. Vous savez, il faut séquencer tout ça. Alors, les vents contraires de l'histoire qui soufflent sur le Portugal, on les a évoqués tout à l'heure. Il faut les rappeler.
il y a bien évidemment la question coloniale. La question coloniale qui va être le on appellera ça plus tard une opération militaire, le nœud gordien, mais autour de laquelle tout va s'organiser. C'est-à-dire que Salazar considère que c'est non négociable. On ne négocie pas outre-mer. On ne peut pas, d'une quelconque manière, accorder une once d'autonomie et encore moins d'indépendance à ces provinces d'outre-mer. Alors il y a des opérations cosmétiques qui sont réalisées. Une réforme du statut de l'outre-mer au début des années 60, en 1961-1962, mais sur le fond, rien ne change vraiment. Et donc, les mouvements indépendantistes se multiplient et sur trois théâtres d'opération, l'Angola d'abord, puis la Guinée à partir de 1963, puis le Mozambique à partir de 1964, eh bien, la guerre va être menée. Et cette guerre, évidemment, elle est très dure pour l'armée portugaise parce qu'elle est obligée d'envoyer des troupes en effectif croissant. En Angola, fin 61, il y a déjà 30 000 hommes qui sont envoyés et ça va cesser d'augmenter puisqu'à la veille de la révolution des œillets, il y a 140 000 soldats portugais qui sont sur le théâtre d'opération outre-mer. 140 000 soldats pour un pays qui compte à la fin des années 60 moins de 9 millions d'habitants. Donc vous voyez l'effort de guerre que ça représente, il est considérable. Et surtout, c'est une guerre dont la suite, dont l'évolution va montrer qu'elle est extrêmement dure, qu'elle est extrêmement difficile à mener, avec notamment en Guinée, on en reparlera, des opérations de guérilla qui font que militairement, pour le Portugal, c'est un véritable bourbier. On parlera même d'un Vietnam portugais en Guinée. Bref, l'Angola, le Mozambique et la Guinée, c'est ce qui va faire chuter le régime, bien sûr, mais c'est véritablement la difficulté principale, dès lors que Salazar, et c'est son testament en quelque sorte, dit « si nous perdons l'outre-mer, le Portugal disparaîtra ». Sinistre testament, mais qu'il affirme au fond, le Portugal ne peut pas se concevoir sans ses provinces d'outre-mer, sans ses anciennes colonies. Ensuite, vous avez un certain nombre d'événements qui vont se succéder pendant les années 1960. On a parlé de l'immigration massive, elle est très importante, et les trois sources ont été rappelées tout à l'heure, l'élément politique, l'élément pauvreté et la question coloniale qui pèse aussi parce que beaucoup de jeunes hommes refusent de faire leur service militaire et donc pour échapper à la conscription, insoumission, désertion, etc. se multiplient et on voit des cohortes de jeunes hommes qui quittent dans la clandestinité le Portugal pour se réfugier en France et ailleurs. Donc c'est effectivement quelque chose de très important. Le service militaire, la durée passe à 4 ans en 1968. À 4 ans. Et on sait très bien ce qui s'y passe en Angola, au Mozambique et en Guinée. C'est pas une partie de plaisir. Et donc beaucoup de jeunes fuient cette situation. Ensuite, vous avez beaucoup de mouvements de contestation et de résistance au salazarisme qui se multiplient dans les années 1960, notamment la contestation universitaire qui, à partir de 1962, va devenir une constante et détourner les étudiants et les élites donc, du régime salazariste. Jusque-là, le régime salazariste venait puiser les dirigeants de l'État Novo à la faculté de droit de Coimbra et la faculté de droit de Lisbonne. Et bien là, les étudiants, à partir de 1962, sont radicalement contre le régime, et de plus en plus. Et donc, ce sont des phénomènes importants qui se nourrissent en plus de l'air du temps et des révoltes auxquelles on assiste en Europe, et notamment avec mai 68 et dans le prolongement de mai 68. Donc, le Portugal, les 3 F, n'est qu'une façade, les 3 F, pour Fado, Fatima et le football. Fatima va être beaucoup instrumentalisée par le régime pendant des années et des années, parce que c'est une dimension religieuse à laquelle il est très très attaché. Le sanctuaire de Fatima va véritablement être édifié à la fin des années 20 et utilisé pleinement par le régime pendant des décennies, notamment lorsque Pie XII, le pape, était en fonction jusqu'en 1958. On dira que c'était le pape de Fatima. Et en 1967, vous avez la visite du pape Paul VI, qui lui n'est pas un pape très fréquentable aux yeux de Salazar, parce que c'est un pape un peu progressiste, celui qui a poursuivi Vatican II, et donc cette ouverture, cette évolution de l'Église qui ne plaît pas du tout à Salazar, mais il va le recevoir contre son gré, il n'y tenait pas beaucoup, en mai 1967, pour le 50e anniversaire des apparitions de Fatima, vous savez, 1917, et donc 50 ans plus tard, eh bien, il y a une grande célébration qui est organisée à Fatima. Il ne restera qu'une seule journée, les hiérarques du régime
film essaieront de se faire photographier à côté de lui, mais lui-même prendra ses distances, évitera, et 3 ans plus tard recevra à Rome les leaders indépendantistes africains qui veulent l'indépendance des colonies portugaises. Donc ces vents contraires soufflent violemment, et Salazar lui-même, eh bien, Salazar, ça a été dit tout à l'heure, en 1968, c'est un homme usé, fatigué, obstiné à préserver un certain nombre d'idées héritées du passé, et entouré de sa police politique et de quelques hiérarques qui ne veulent pas en démordre. Et à l'été 1968, au mois d'août 1968, il va symboliquement chuter de sa chaise quand il est effectivement dans son fort d'Estoril, sortie de Lisbonne, où il passe l'été généralement. Il tombe de sa chaise, sa tête va heurter violemment le sol. Alors après, maintenant, il y a toute une polémique. Est-ce que c'est cette chute qui va provoquer la suite, c'est-à-dire un hématome et ensuite une intervention chirurgicale et ensuite un AVC au mois de septembre 1968. Toujours est-il que symboliquement, c'est fort. Il chute effectivement de sa chaise et politiquement, il ne s'en remettra pas parce que quelques semaines plus tard, suite à cet AVC, eh bien, le chef de l'État doit appliquer la Constitution de 1933, c'est-à-dire démettre de ses fonctions le chef du gouvernement, président du Conseil, monté non pas sur le trône, mais au pouvoir depuis 40 ans, depuis 1928. Donc en septembre 1968, on nomme un successeur. Rien n'avait été préparé, bien évidemment, parce que dans le système salazariste, on ne prépare pas sa succession. Salazar, c'était la question taboue. Personne ne pouvait aborder ce sujet. Il y avait eu des signaux avant-coureurs, mais rien de très concret. Et c'est cet homme donc qui va prendre la situation en main, qui va être désigné comme Premier ministre, comme président du Conseil, Marcelo Caetano, que vous voyez ici. On dira au début que c'est un Salazar qui sourit un peu, et parce qu'il va essayer de promouvoir ce qu'on appellera une libéralisation du régime, le printemps marcelliste, mais qui tournera court assez rapidement. Et Salazar, lui, n'en finit pas de décliner, et pour mourir au mois de juillet 1970, sans avoir très longtemps pleinement perçu qu'il n'était plus président du Conseil. Et donc vous avez cette une d'un journal français, L'Horreur, à l'époque, qui avait interviewé Salazar, on est en juillet 1969, et qui disait, Salazar croit qu'il gouverne encore le Portugal. Et donc c'est un théâtre d'ombre tout à fait saisissant. Salazar meurt en juillet 1970, mais quand il meurt, son régime est toujours en place. La grande difficulté pour ce régime, ça va être évidemment de prouver que sans Salazar, le salazarisme, ça fonctionne. Et la même question sera posée en Espagne quelques temps plus tard. Est-ce que le franquisme sans Franco, ça peut fonctionner? Eh bien, pour le Portugal, le salazarisme sans Salazar, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner, mais sans que pour autant, et contrairement à l'un des propos qu'avait tenu Salazar au milieu des années 60, en 1969, il avait déclaré « Nous sommes orgueilleusement seuls ». Orgueilleusement seuls à défendre une certaine idée de l'Occident. C'est-à-dire ce thème de la croisade menée par le régime salazariste avec un effet domino à la clé, c'est-à-dire si nous tombons, alors ça sera le déferlement du communisme en Afrique. C'était un peu la tonalité de son discours. Orgueilleusement seul, le régime ne l'est pas. Diplomatiquement, au début des années 1970. Quelques images derrière moi en témoignent. Vous avez les Américains et l'administration Nixon qui s'est beaucoup employé, justement, par logique de guerre froide, on va dire, par anticommunisme, à soutenir le Portugal de Salazar puis de Caetano. Et puis, vous avez, par exemple, cette rencontre qui est orchestrée aux Açores en mois de décembre 1971 entre le chef, les deux présidents Nixon pour les États-Unis, le président Pompidou, français, qui se rencontre aux Açores, en terrain neutre, si l'on peut dire, à l'initiative et accueilli par Marcelo Caetano, le président du Conseil portugais. Donc c'est une illustration par Bindou pour vous dire que le Portugal n'est pas seul. Et le Portugal, à l'époque, je vous le disais tout à l'heure, il y a bien sûr le tropisme africain qui est très prégnant, très fort au sein du régime. Le régime considère que, et ça va être le drame de Caetano d'une certaine manière, qui lui-même est un peu plus, sinon incertain, mais se pose un certain nombre de questions sur l'avenir du régime outre-mer, mais les ultras du régime ne veulent négocier en rien
outre-mer. Et donc, les opérations militaires s'intensifient. Au Mozambique, en 1970, vous avez un général qui est parmi les plus jusqu'au boutistes, Kaosa Darianga, qui va mener l'opération Nogordien, qui ne va pas être un franc succès, mais il est persuadé qu'en mettant le paquet, comme il dit, en mettant un maximum de moyens en lice, eh bien, on trouvera une solution militaire. Et la suite va prouver qu'il n'y a pas de solution militaire, justement, sur place, que militairement, c'est perdu, au moins au Guinée. Et en Guinée, en 1973, eh bien, le PLGC va autoproclamer l'indépendance de la Guinée au mois de septembre 1973, montrant à quel point cette idée d'indépendance et de décolonisation est forte et que le régime de Caetano n'a plus les cartes en main outre-mer. Et donc la Guinée, comme une alerte de la traduction de l'extrême difficulté à laquelle se trouvent confrontées les troupes portugaises. Et puis en même temps, parallèlement, vous avez aussi une ouverture qui est en train de se déployer en direction de l'Europe. L'Europe, pour le Portugal, évidemment, ça ne peut pas être l'Europe communautaire, l'Europe du traité de Rome, pour plein de raisons, notamment le fait que le pays est en dictature et a maintenu des colonies. Deux choses qui sont antinomiques, qui l'excluent forcément d'un rapprochement avec l'Europe. Mais les choses vont se passer un peu différemment. Institutionnellement, vous avez un premier rapprochement qui s'opère via l'Association européenne de libre-échange. Vous savez, la structure de libre-échange qui a été mise en place à l'initiative de la Grande-Bretagne en 1960. À la fin de l'année 1959, vous avez le traité de Stockholm qui crée une zone de libre-échange en Europe dont le Portugal va être membre fondateur aux côtés du vieil allié britannique. Donc c'est une première traduction d'une ouverture vers l'Europe. La deuxième, c'est les milieux d'affaires qui sont de plus en plus convaincus que l'avenir du Portugal, contrairement au discours salazariste de colonialisme tardif, de populations qu'il faut envoyer s'installer en Angola ou au Mozambique, des investissements qu'il faut réaliser sur place, routiers, etc., est de plus en plus convaincu que l'avenir du Portugal se situe à l'échelle européenne et que les échanges commerciaux avec l'Europe doivent s'intensifier. Et d'ailleurs, les investissements étrangers au Portugal se multiplient comme en péninsule ibérique. Les années 60 sont les années d'investissements massifs américains, occidentaux, parce que le Portugal comme l'Espagne sont considérés comme des zones de délocalisation d'emplois, tenu du coût très faible de la main-d'œuvre, de la pauvreté qui y règne, de l'ordre qui est maintenu par les deux systèmes dictatoriaux, eh bien, il y a cette volonté d'investir très fortement. Et donc, les échanges entre l'Europe et le Portugal augmentent à ce moment-là, et les milieux d'affaires regardent de plus en plus de ce côté-là, même s'ils conservent des intérêts très importants outre-mer, comme des groupes comme la COUF, etc., qui sont très, très actifs. Et puis, l'Europe, c'est aussi pour beaucoup d'opposants politiques et de personnalités qui sont contraintes à l'exil, c'est aussi l'espoir de pouvoir organiser la résistance de l'extérieur. Et la résistance de l'extérieur, vous avez quelques exemples. Ici, derrière, eh bien, le Mario Soares, qui va être exilé en France à partir de 1970, qui va publier en France cet ouvrage « Le Portugal bâillonné », qui est un plaidoyer implacable contre le régime de Salazar, le régime de Caetano, et qui va se lier d'amitié avec plusieurs responsables politiques de l'international socialiste, à tel point qu'il fonde littéralement le Parti Socialiste en exil en Allemagne, vous voyez la photo derrière, en avril 1973. Bref, ça bouge sur la scène européenne, vous y voyez un certain nombre d'exilés, beaucoup d'émigrés, et donc qui ont une autre vision évidemment de ce Portugal qui ne cesse de s'engluer dans ce bourbier africain. Oups. Alors, très vite, avant d'arriver au 25 avril, vous avez le spectre du Chili qui, lui, va évidemment jouer un rôle très important pour la suite, le spectre du Chili, c'est-à-dire ce moment où, en septembre 1973, les militaires, avec Pinochet à leur tête, vont renverser le régime de Salvador Allende, qui était en place depuis 3 ans, de social-démocratie sur place, renverser donc la démocratie parlementaire chilienne, avec des chars, avec des soldats, et la répression qui s'ensuit. Je dis ça parce que l'ombre portée du Chili, on va la ressentir tout au long du processus révolutionnaire.
au 25 avril même et dans les mois qui suivent. Et puis, à la fin de l'année 1973, au Portugal, vous avez le choc pétrolier qui se fait ressentir. Le choc pétrolier, le renchérissement des coûts de l'énergie, l'inflation qui est très prononcée, très forte, et qui provoque une crise très importante au Portugal, le pouvoir d'achat, la crise de l'État, hein, tout simplement, les finances publiques de l'État. Salazar avait construit toute sa légende et toute son action sur les comptes sévèrement tenus, l'équilibre budgétaire, le respect de la monnaie, la stabilité monétaire. Et là, avec tous ces événements qui s'enchaînent et cette crise sous-jacente, l'inflation, le budget militaire qui plombe les finances de l'État, puisque plus d'un tiers du budget de l'État est consacré aux dépenses militaires, et bien sur toutes ces questions-là, l'État portugais, la fleur du système de l'État de Novo, est en train de se déliter. Alors, nos capitaines, vous allez en entendre parler de plus en plus dans les minutes qui viennent. Les capitaines, ce sont ceux qui vont finalement porter l'idée d'un soulèvement, d'un coup d'État contre le régime de Caetano. Mais c'est une idée qui ne naît pas spontanément, immédiatement. À l'été 1973, ces jeunes officiers intermédiaires, c'est-à-dire majoritairement des capitaines et des majors, les capitaines commandants, ce sont des officiers assez jeunes qui ont autour de 30 ans, entre 30 et 40 ans, et qui ont servi sur les trois théâtres d'opération. Ils ont combattu aux côtés des soldats. C'est eux qui commandent les compagnies, c'est-à-dire qu'ils sont au plus près des acteurs de terrain. Et ils savent à quel point, ce qu'on disait tout à l'heure, le discours du régime consistant à dire « c'est l'avenir du Portugal qui se joue outre-mer », ces jeunes soldats disent « mais c'est une fable qu'on nous raconte, c'est une fable, on est les derniers à tenir ce discours, c'est d'une dureté épouvantable, le matériel militaire ne suit pas, comment se fait-il que ça continue ainsi ?» Donc ces jeunes soldats sont extrêmement réservés, critiques à l'égard de l'évolution de la situation. Et ce sont donc ces officiers qui, les premiers, vont, à l'été 1973, s'organiser au départ pour des raisons qu'on a qualifiées à juste titre de corporatistes. Pourquoi corporatistes ? Parce qu'en gros, ils défendent un certain nombre d'avantages et leur statut, tout simplement, le statut qui est écorné par la baisse de leur rémunération, par l'image délétère qui leur est accolée. On les traite d'assassins, hein, c'est-à-dire on sait ce qui se passe. Il y a eu des massacres qui ont été commis par les troupes portugaises, on utilise l'armée chimique, le napalm, etc. Donc ce sont des hommes qui sont pointés du doigt, souvent quand ils rentrent en permission chez eux. Et en plus, on leur dit à ce moment-là, le gouvernement leur dit, mais on va donner des avantages équivalents aux vôtres, voire supérieurs, à ces officiers miliciens, c'est-à-dire ces officiers de réserve, la plupart des étudiants, qui ont été formés à la hâte, parce qu'il faut des officiers sur le terrain pour commander les troupes. On a besoin de troupes et de commandement sur place. Et donc on va leur donner des avantages équivalents aux vôtres. Et ça, évidemment, pour ces officiers de carrière, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils se disent, mais nous, on a fait l'académie militaire, on a suivi une formation, ça fait des années qu'on se bat, et là, on vient nous mettre de jeunes soldats, enfin, de jeunes officiers, on n'a rien contre eux, mais ils sont inexpérimentés, et on leur dit, mais vous allez avoir une des promotions, des soldes, etc., qui vous donnent des avantages équivalents aux nôtres. Donc, c'est le point de départ, si vous voulez, des capitaines, c'est qu'ils se réunissent en septembre 1973, la première fois, en Alentejo, et là, ils vont se dire, il faut faire quelque chose. Il faut d'abord obtenir l'abrogation de ces décrets que veut prendre le gouvernement. Et puis très vite, au fil des semaines, ils vont se dire, bon, ben, tout ça, la vraie question qui est derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que est-ce qu'on continue comme on le fait depuis des mois et des mois ? Et ça, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce qu'on se rend bien compte que militairement, on s'en sortira pas. Et ils se disent, ben, ce gouvernement, on lui a laissé du temps. Ça fait 13 ans qu'on mène les guerres. Ça fait 13 ans qu'on est sur le terrain. Ça fait 13 ans que rien ne bouge. Et donc, ils se disent assez naturellement, l'hiver 73-74, eh ben, puisqu'il ne veut pas bouger, puisqu'il ne veut pas changer, eh ben, on va le faire bouger. On va le faire bouger, ben, en envisageant de le renverser. Et donc, l'idée d'un coup d'État commence à germer à ce moment-là, à se formaliser et à s'épanouir au début du printemps 1974 avec le 25 avril. Alors, le 25 avril, le jour initial, comme on dit, le jour où tout a commencé, c'est un coup d'État
très très insolite hein, qui est organisée, préparée par les militaires, ces jeunes officiers dont je vous ai parlé. Ils ont progressé, sinon à pas compter, mais de manière assez prudente, même si la police politique veille, même si les fuites se multiplient. Ils ont réussi à maintenir une certaine discrétion dans leur action, et surtout, ils ont pris des contacts ici et là, au sein de l'armée, pour voir auprès de quelles troupes on pouvait compter. Quels étaient au sein des corps d'armée, l'armée de terre était plutôt fidèle et axée sur cette idée d'un coup d'État, enfin une partie. Au sein de la marine et au sein de l'armée de l'air, c'était beaucoup plus problématique. Donc prendre des contacts et surtout trouver une caution auprès d'officiers généraux, d'officiers supérieurs. Parce qu'on est dans un système très hiérarchisé. Le Portugal est une société à castes, extrêmement hiérarchisée, et des jeunes capitaines, c'est peut-être bien pour organiser quelque chose, mais pour le mener à son terme, pour réaliser jusqu'au bout du processus, et ils sont ambitieux, hein, ces jeunes capitaines, il ne s'agit pas simplement de renverser le régime, mais comme le montre leur programme du mouvement des forces armées, qui est écrit, rédigé par eux, notamment des personnages comme Melo Antunes et quelques autres, ils disent qu'il faut démocratiser, il faut décoloniser, c'est le point de départ, décoloniser, démocratiser, développer. C'est un programme qui tient en 3D. 3D du programme du mouvement des forces armées. Donc ils ont pensé la suite. Mais pour penser la suite, il faut aussi avoir quelques soutiens au sein de la hiérarchie militaire. Et c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés de deux officiers généraux qui leur semblent les plus à même de porter leur discours, ou du moins de ne pas les contrecarrer. Et ces deux officiers, c'est le général Spinola et surtout le général Costa Gomes, qui ont les suffrages des capitaines d'abri. Le général Costa Gomes est désigné pendant l'hiver comme celui qui pourra à terme porter leur discours et les soutenir très officiellement. Et ces deux généraux, bon, le nom importe peu, enfin, vous n'allez pas multiplier les notes de ces noms que je vous cite, mais ce sont deux officiers importants. L'un et l'autre ont commandé. Spinola a été le chef du corps, des militaires, des troupes en Guinée-Bissau, hein, depuis entre 1968 et 1973. Costa Gomes a commandé en Angola. Costa Gomes a été secrétaire d'État. Et ils sont tous deux, en février 1974, chef d'état-major et chef adjoint d'état-major. Donc, des postes institutionnels importants. Sauf que Spinola, il publie un livre fin février, un livre qui va avoir un grand retentissement, qui s'appelle Le Portugal et son avenir, Portugal e o futuro. Et là, il dit le Portugal ne pourra pas s'en sortir militairement. Il n'y a pas d'issue militaire. Alors, venant des chefs d'état-major adjoints de l'armée, c'est quand même un sacré coup de tonnerre. Le bouquin sort parce que Costa Gomes est de mèche, parce que le ministre de la Défense laisse passer, c'est la censure, hein, encore, on regarde tout ça de très près. Le livre est publié, là, effectivement, il va avoir un succès important, où, pour la première fois, aussi clairement, un officier supérieur dit « il faut trouver une solution », qui n'est pas celle que défend le gouvernement. Et donc les militaires, les capitaines d'avril, évidemment, trouvent dans le soutien de ces deux officiers supérieurs, eh bien, une aide tout à fait majeure. Alors la journée du 25 avril, elle est passée à la postérité. Vous trouverez beaucoup de sources pour approfondir tout cela. Donc elle est très intéressante parce que elle réunit tout ce qui intéresse. Alors quand on fait de l'histoire, tout ce qui intéresse un historien, c'est-à-dire faire la part entre ce que j'ai essayé de vous décrire avant, c'est-à-dire les forces profondes, les signaux avant-coureurs, les signaux forts qui précèdent l'événement, et puis l'événement, la force de l'événement, avec sa part de contingence, la part de l'aléa, c'est-à-dire c'est conçu, ça a été préparé, il y a des noms de code, il y a des objectifs qui ont été assignés, des troupes qui ont été contactées, des officiers qui sont pas très nombreux. Otelo Carvalho, qui est une des têtes pensantes du 25 avril, dira il y avait 4000 hommes à peu près pour organiser tout ça. Mais c'est préparé, c'est pas une improvisation. On ne fait pas n'importe quoi. Ce sont des militaires. Et en plus, il y a eu un coup d'État qui a échoué, un soulèvement d'un régiment quelques semaines plus tôt, au mois de mars, le 16 mars, qui a échoué, mais qui a été un signal fort. On a répété, en quelque sorte, on a observé quelles étaient les troupes qui restaient fidèles au régime de Caetano, comment la répression avait été menée. 200 soldats officiers vont être emprisonnés, condamnés, certains vont être envoyés aux Açores. Là où souvent, les Açores, ça sert aussi de stage d'oxygénation pour des militaires qui regardent de trop près ce qu'ils ne devraient pas regarder. Et donc, vous avez des hommes comme Vasco Lourenço, une grande figure du 25 avril et post-25 avril, qui va être envoyé à ce moment-là aux Açores.
Et donc, ces capitaines vont concevoir une action, un coup d'État, minutieusement préparé, avec des signaux tout à fait étonnants, comme ces chansons qu'on émet, qu'on diffuse au petit matin, enfin dans la nuit, pour comme signal du soulèvement. Une un peu avant minuit, et puis une autre, celle qui est passée à la postérité, que tout le monde aujourd'hui connaît au Portugal, qui est l'hymne du 25 avril, et presque l'hymne du Portugal, c'est Grande Vila Morena, la ville où le peuple commande, et où sur tous les visages il y a l'égalité, hein, donc une ode à la fraternité, à la liberté. Et donc c'est cette chanson qui est choisie comme signal du soulèvement militaire. Elle est diffusée à 0h20. Et là, tout va s'enchaîner assez rapidement avec une volonté très grande de la part des militaires, eh bien, de prendre le contrôle des centres de commandement stratégique du régime, c'est-à-dire les ministères, c'est-à-dire le quartier général et l'aéroport, les transports, surveiller le Taj en mettant une batterie de l'autre côté du pont Salazar, devenu pont 25 avril aujourd'hui, et surtout de contrôler les médias, les radios et la télévision. C'est très important pour émettre un certain nombre de signaux et surtout éviter que le régime, qui a la haute main de toujours, hein, qui contrôle la communication, puisse diffuser des contre-informations et organiser la reprise en main. Et donc ces jeunes soldats, eh bien, là vous avez les plans d'occupation, convergent des troupes, quelques blindés, quelques forces qui se sont organisées avec Otelo Carvalho, qui est la voix du 25 avril et véritablement le concepteur de la journée du 25 avril. Eh bien, ils se rendent dans le centre-ville de Lisbonne, pour ceux qui connaissent, le Terreiro do Passo, la partie basse de la ville, la place du commerce, autour duquel vous avez les principaux ministères. Et puis, ils ont pris le contrôle auparavant des principales radios, de la télévision RTP, de Radio Club Portugais, enfin des radios pour émettre un certain nombre de communiqués que le MFA, le mouvement des forces armées, va diffuser. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le trouverez dans pas mal de documents qui ont été évoqués tout à l'heure et référencés, mais dans la matinée, la situation bascule. C'est-à-dire que ce qui pouvait à tout moment tourner mal pour ces officiers mutins, hein, on a souvent dit que c'est une révolution pacifique. C'est un coup d'État pacifique. C'est vrai qu'il y a eu très peu de morts, on va les évoquer, mais ils avaient la volonté, parce qu'ils avaient beaucoup combattu outre-mer, de ne pas verser le sang inutilement, ces jeunes officiers. Ils savaient le prix de la violence. Mais ils s'étaient préparés à faire usage de la violence, c'est-à-dire qu'ils avaient des armes, ils avaient des munitions qu'ils avaient mis de côté dans les semaines qui avaient précédé. Salgado Maia et les autres le racontent très bien. Quand on allait à l'exercice et qu'on était censé tirer 80 cartouches, on tirait 60 et on en mettait 20 de côté. Comme ça, ça échappait à la comptabilité officielle. On avait tiré 80 cartouches, sauf que nous, on en avait gardé 20 pour la suite. Ainsi de suite. Et donc, c'est un mouvement organisé qui se veut pacifique, mais qui est prêt à tout. C'est-à-dire qui ne s'en laissera pas compter, et si ça tourne mal, qui ouvrira le feu. Et au matin, lorsqu'ils ont pris le contrôle sans grande difficulté des ministères au Terreiro do Passo, vous avez les troupes de rester fidèles au régime qui essaient de leur barrer la route pour sortir du Terreiro do Passo, de la place du commerce. Et là, il y a la scène iconique que vous connaissez tous. Vous avez le film, peut-être, de Marian Medeiros, Capitaine d'Avril, que je vous conseille de voir, parce que c'est un beau film, hein, sur l'événement 25 avril, la journée du 25 avril, avec ce capitaine Salgado Maia, que vous voyez au centre de la diapositive, qui va être véritablement la figure iconique, parce que c'est lui qui, d'un seul coup, va aller à la rencontre de ses troupes, rester fidèle au régime, et vous avez un officier, un général, qui commande de faire feu sur Maia et les officiers rebelles. Donc il est 10h du matin et à ce moment-là tout pourrait basculer. Et Maia va aller à la rencontre et avec une grenade dans la poche et un mouchoir blanc, les soldats vont refuser de tirer sur lui. Et comme il le racontera plus tard, c'est certainement le point de bascule de la journée du 25 avril. C'est le moment où tout devient possible. Et pourquoi tout devient possible? Non seulement parce que on voit bien que les troupes en face, eh bien, les officiers ne sont plus suivis. Quand ils demandent de faire feu, eh bien, les soldats refusent. Et c'est la même chose pour une frégate qui est sur le bord du Taj et auquel on demande de faire feu sur les officiers, les soldats mutins sur la place du commerce. Mais surtout pour le peuple qui est en train de s'amasser dans les rues de Lisbonne. Parce que
souvent les gens, vous savez, vont travailler tôt à Lisbonne, traversent le Tage. On vient de l'autre rive du Tage, on prend le bateau, on traverse, on arrive en bas, là, au Terres do Passo. Et ils arrivent, ils voient des soldats. Et alors là, on pense tout de suite, les images que je vous ai montrées tout à l'heure, le Chili 73. C'est quand même pas fréquent que des officiers, des soldats fassent un coup d'état pour dire assez rapidement, on va renverser le régime, mais renverser le régime, non pas pour durcir le ton, mais pour démocratiser, pour ouvrir, pour libéraliser tout ça et restaurer les libertés. Et les gens ont beaucoup en tête les images du Chili où vous avez des officiers et des soldats qui répriment la foule. Donc dans les premières minutes, les communiqués du mouvement des forces armées incitent à la prudence, restez chez vous, etc. Et les gens s'amassent sur les rues et voient cette scène en bas, dans la partie basse, et voient ces soldats qui obtiennent gain de cause contre les militaires du régime. Et donc à ce moment-là, on voit de plus en plus ce mouvement de liesse qui va s'amplifier au fil de la journée et qui fait, comme on l'a dit, que ce coup d'État devient révolution par la pression populaire. La pression populaire, elle est très grande. Les gens sont dans les rues et commencent à crier « Vive la liberté !»« À bas Caetano !»« À bas le fascisme !»« À bas le régime !» etc. etc. Et là, vous avez une digue qui est en train de rompre dans la journée du 25 avril et qui va tout emporter. Et ces soldats du 25 avril, les capitaines d'avril, leur courage et la détermination, leur sang-froid aussi, ça a été de parvenir à obtenir cette situation, ce rapport de force qui va leur être favorable et qui va permettre d'obtenir des gains significatifs tout au long de la journée, y compris quand les troupes fidèles au régime veulent les contourner et sont empêchées de manœuvrer parce que même les gens qui sont dans la rue pensent qu'ils sont avec les soldats mutants, avec les officiers rebelles. Et donc c'est un phénomène de confusion qui va gagner jusqu'au moment, et c'est le dernier point que j'évoque pour la journée du 25 avril, vous avez les soldats qui vont converger vers la place du Carme, la place où est réfugié le chef du gouvernement. Marcelo Caetano, dont je vous avais parlé tout à l'heure, eh bien, il est place du Carme dans une caserne qui est restée fidèle au régime de la garde nationale républicaine. Et là, on lui a demandé à Salgado Maia de marcher vers cette place du Carme pour obtenir la reddition du chef du gouvernement. Mais le chef du gouvernement, à ce moment-là, il est très isolé, mais il ne souhaite pas encore, au début de l'après-midi, rendre les armes. Et c'est à la fin de la matinée qu'une deuxième scène iconique du 25 avril se produit avec la scène des œillets. Parce que pourquoi on appelle le 25 avril la révolution des œillets? Parce que symboliquement, eh bien, en fin de matinée, vous avez les soldats qui se rendent de la partie basse de la ville vers la caserne du Carme, la colonne de Salgado Maia, qui est avec ses soldats donc juchés sur ses automitrailleuses, ses blindés, et qui voient dans la foule beaucoup de monde, et ils demandent des cigarettes. Et il y a des femmes, des fleuristes, qui ont sur les bras leurs fleurs qu'elles doivent écouler dans les terrasses des restaurants et des cafés à la fin de la matinée, et ceux-ci sont fermés, eh bien, spontanément proposent des œillets, parce qu'elles en ont. Céleste Cairo, notamment, qui est la figure un peu tutélaire de tout ça, eh bien, elle remet spontanément des œillets rouges, des œillets blancs à ces jeunes officiers, ces jeunes soldats, qui vont spontanément les mettre dans les boutonnières et au canon des fusils, et ça va devenir symboliquement la révolution des œillets. Donc, pour répondre à une question que vous n'avez pas posée, mais vous avez la réponse. Alors, en fin de journée, on obtient donc la reddition de Caetano, non sans difficulté, et avec un personnage qui va écraser un petit peu la révolution dans les premiers temps, notamment sur la scène internationale. C'est ce général au monocle que vous voyez ici, Spinola. Je suis juste au-dessus, hein, ce n'est pas moi. Ce général Spinola qui est l'homme qui a pris le leadership dans l'après-midi du 25 avril. Parce que c'est lui qui a été contacté pour obtenir finalement la reddition de Caetano. Caetano ne voulait pas négocier, encore moins remettre sa reddition avec des officiers intermédiaires. Maia et les autres, c'était bien, ils pouvaient discuter, mais je vous dis toujours, une société à castes, très hiérarchisée. La populace, comme le dit Caetano, évitait que le pouvoir tombe dans la rue, répétera-t-il, eh bien, seul un officier supérieur pour lui garantir qu'il n'en ira pas ainsi. Et donc Spinola va sortir du bois dans l'après-midi du 25 avril. Costa Gomes, l'autre général, est introuvable, invisible. Et c'est Spinola donc qui va tirer les marrons du feu et devenir le chef de la junte de salut national. Bref, la structure qui prend les opérations en main au soir du 25 avril, déclare que le régime est renversé, que la police politique va être désarmée, que la censure va être supprimée, que les prisons
vont être libérés de leurs prisonniers politiques, non sans difficulté, parce que Spinola veut y aller très doucement sur ce terrain-là, mais les officiers du MFA et surtout la pression populaire vont faire en sorte que ces prisons politiques vont être libérées rapidement. Cachillage notamment à la sortie de Lisbonne, et surtout aussi deux jours plus tard, le 27 avril, ça a été célébré là, parce qu'il y a une inauguration prévue à la forteresse prison de Peniche, au nord d'une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne, qui était une forteresse assez redoutable. Il y a un musée de la résistance qui va être rouvert dans quelques semaines, le 27 avril, date anniversaire de sa libération il y a 50 ans. Bref, tout ça se met en place, et surtout Spinola n'est pas très favorable au programme du mouvement des forces armées, tout simplement. Il a accompagné les militaires, mais il considère que le mouvement des forces armées, ça, ce programme, c'est trop favorable à la décolonisation, il ne peut pas en entendre parler, et c'est un programme qu'il qualifie de marxiste. Ce qui, dans la rhétorique des anciens du régime, parce que c'est quand même un ancien du régime, eh bien, est quand même quelque chose de très, très condamnable et très suspect. Donc il réussit par contre à obtenir la reddition de la police politique, qui rend les armes au petit matin du 26 avril, après avoir tiré dans la foule en début de soirée. C'est là qu'il y a les seuls morts du 25 avril, 4 plus 1, 4 morts du côté de la foule. Il tire à la mitraillette, l'arme, il balaye la place de tir de mitraillette, et donc 4 morts et plusieurs blessés, et puis un membre de la PIDE sera tué par les forces du mouvement des forces armées. Donc il y a 5 morts le jeudi 25 avril. Donc Spinola obtient la reddition de la PIDE, qui entre temps a fait disparaître pas mal de documents, a brûlé beaucoup de choses au siège de la PIDE, qui était pas très loin de la caserne de Cannes dont je vous ai parlé. Mais évidemment, à partir de ce moment-là, commence une séquence très complexe qui va prendre le nom progressivement, petit à petit, processus révolutionnaire, et qui s'étage. Alors, on peut débattre à l'infini, mais je vais essayer d'aller assez vite, parce que l'heure tourne, votre lassitude augmente, votre fatigue encore plus. Donc, 3 séquences qui sont en général identifiées. La première, qui va de la fin du mois d'avril, de l'après 25 avril, jusqu'à la fin du mois de septembre, qui est celle, justement, où le général Spinola est aux commandes, est aux manettes. C'est lui qui est investi par le mouvement des forces armées, comme chef de l'État, très rapidement, président de la République, auto-désigné, et c'est lui qui donne le ton, ou du moins qui essaye. Parce que vous avez le mouvement des forces armées qui, très vite compris que ce général était quelque peu suspect et n'allait pas appliquer à la lettre, c'est le moins qu'on puisse dire, le programme du MFA, et notamment sur une des questions clés, la décolonisation. Du MFA et surtout les civils qui sont revenus d'exil, soit chez quelques autres, Alvaro Cunhal que vous voyez là dans le grand défilé populaire du 1er mai 1974, eh bien, décident eux au contraire d'aller vite, de respecter à la lettre le programme, considérant que c'est ce qui avait non seulement fait chuter le régime, mais surtout condamné le Portugal à un isolement, un retard, et à être mis au banc de la société et d'être dans une situation extrêmement précaire. Donc décoloniser, c'est la priorité, obtenir des cessez-le-feu, etc. Et donc Soares, qui est ministre des Affaires étrangères, nommé très rapidement, va négocier et obtenir très rapidement un certain nombre d'accords cadres, notamment pour la Guinée, qui devient indépendante officiellement après avoir été autoproclamée indépendante le 10 septembre 1974. Et un accord cadre se met en place pour envisager la suite, notamment vis-à-vis du Mozambique. Spinola, lui, ne s'en laisse pas compter, est très contrarié de voir l'évolution qui est en train de se produire. Il va appeler à la rescousse ce qu'il appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire tous ceux qui ne s'en laissent pas compter comme lui et qui ont bien compris que le mouvement des forces armées et le processus qui s'enclenchait allaient être néfastes, dit-il, et être instrumentalisés par la gauche et l'extrême gauche. Et donc, fin du mois de septembre, il va être obligé de se démettre de ses fonctions. Il est isolé, mis en minorité par le mouvement des forces armées, et donc obligé de renoncer à ses fonctions. Alors, il ne va pas désarmer tout de suite, la suite va le montrer, mais il est obligé de quitter l'avant-scène. Et pour lui succéder, comme chef de l'État, c'est le général Costa Gomes, l'autre dont je vous avais parlé, l'autre officier supérieur. Et surtout, s'enclenche, s'ouvre une période qui
maximise, qui intensifie un certain nombre de débats qui étaient déjà très présents, notamment cette pression populaire très forte dès les premiers jours de la Révolution, c'est-à-dire pour obtenir un certain nombre d'avancées sociales et avec des occupations d'usines, avec des occupations des terres, etc., des expérimentations multiples. Et entre le mois d'octobre 1974, la démission de Spinola, et le contre-coup d'État de mars 1975, s'ouvre une deuxième période qui est dominée par un certain nombre de tensions, rivalités au sein du mouvement des forces armées, entre le mouvement des forces armées et les civils, et avec en toile de fond une promesse qui a été faite au soir du 25 avril, qui était d'organiser des élections dans l'année qui suivait le coup d'État, et donc d'organiser au plus tard des élections pour élire une assemblée constituante, rédiger une constitution, au 25 avril 1975. Ça fera partie des clivages, des tensions qui opposeront les militaires, les civils entre eux, avec notamment la mainmise, ou supposait-elle, du Parti communiste, qui va placer un de ses très proches, il dira toujours qu'il n'était pas communiste, mais comme Premier ministre, Vasco Gonçalves, que vous voyez juste derrière moi au centre de l'image, qui va être Premier ministre pendant plusieurs mois, diriger cinq gouvernements, quatre des six premiers gouvernements provisoires du Portugal, et qui est d'une certaine manière le camarade de Vasco, comme c'est écrit ici, celui le compagnon du Parti communiste, et qui montre bien les tensions, les rivalités, les divisions qui sourdent au sein du mouvement des forces armées, qui incarne à la fois pour le peuple bien une garantie et peut-être même le moteur de la révolution, comme on dit, et puis des civils qui tentent de s'organiser pour reprendre la main et imposer une légitimité que la rue ne peut pas leur donner, et que les militaires, eh bien, regardent ça avec beaucoup de recul, et c'est toutes les tensions qui expliquent qu'au printemps 1975, vous avez une tentative de contre-coup d'État qui est organisée en sous-main par le général Spinola, qui va tenter le 11 mars 1975 de reprendre l'avantage. Alors c'est très très mal organisé, très mal orchestré et exécuté, mais ça montre bien que la contre-révolution, le sabotage, comme on dit à l'époque, sont des menaces réelles pour ce processus révolutionnaire. Donc cette tentative de coup d'État, le 11 mars 1975, va avoir comme conséquence, eh bien, de provoquer une réaction au sein du mouvement des forces armées, qui va d'abord organiser une structure qui, jusque-là, c'est assez complexe, la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, du processus. Vous aviez une commission de coordination du mouvement des forces armées, une assemblée du mouvement des forces armées. Là, on voit apparaître, après le 11 mars, ce qu'on va appeler le Conseil de la Révolution. Le Conseil de la Révolution, c'est un peu l'instance de gouvernance, de référence, avec une cooptation des militaires en leur sein, et qui va être sur l'avant-scène pendant plusieurs mois. Et puis, il va y avoir deux autres conséquences. L'une, d'un point de vue économique et social, eh bien, la nationalisation de toute une partie, la plus grande partie de l'appareil productif, les banques, les assurances, de nombreuses industries qui sont nationalisées dans le prolongement du 11 mars, et puis la décision d'accélérer le processus électoral. À partir de la fin du mois de mars, la décision est prise d'organiser ces fameuses élections libres d'une assemblée constituante. Et avec cette élection du mois de mars, du printemps 1975, du mois d'avril, on s'ouvre une troisième période de la séquence importante du processus révolutionnaire. Alors vous voyez l'image juste derrière moi des files, les queues qui se forment pour aller voter le 25 avril 1975. Ce sont les premières élections libres au Portugal, au suffrage universel, masculin, féminin, pour les plus de 18 ans. Tout le monde peut aller voter et vous allez avoir un taux de participation de 91,7%. Donc record à battre et jamais atteint depuis, une participation massive. Les gens vont voter parce que cet acte d'aller voter est symbolique et révélateur des libertés retrouvées. Sauf que le résultat qui sort des urnes n'est pas tout à fait celui que beaucoup avaient imaginé, c'est-à-dire que avec ce taux de participation très élevé, arrive en tête le Parti Socialiste de Mário Soares, qui obtient 37% des suffrages, et puis en deuxième rang, en deuxième rideau, le Parti Populaire Démocratique, qui est devenu le PSD, parti aujourd'hui, d'ailleurs, qui a obtenu gain de cause là, ces derniers jours, en revenant à la tête et former le gouvernement, qui est le parti de centre à l'époque, qui revendique son appartenance à l'international socialiste,
socialiste, il va se dénommer social-démocrate, mais qui va devenir très progressivement un parti de centre-droit, et surtout qui est organisé, structuré autour d'anciennes figures de ceux qui ont cru à un moment que le régime salazariste pouvait évoluer de l'intérieur. C'est-à-dire que, avec des hommes comme Sacanero et d'autres, qu'une aile libérale pouvait infléchir le régime et le faire évoluer sans qu'il aboutisse, qu'il y ait une révolution ou des choses de ce type. Et puis, ces hommes avaient pris leur distance petit à petit, notamment à partir très clairement de 1973, c'était complètement écarté du régime de Caetano, persuadé qu'il courait à une impasse. Et ce sont ces hommes-là qui vont créer le Parti Populaire Démocratique et arriver en deuxième position au scrutin du 25 avril. Et le Parti communiste n'obtient que la troisième place, 12,5% des suffrages, avec un parti satellite qui en obtient à peu près 4, donc autour de 16% pour les forces communistes. Et évidemment, c'est à la fois un revers et dont vont tirer argument les forces qui sont arrivées en tête pour à la fois se légitimer en tant que parti politique et incarner une autre vision, une autre voie possible pour le processus révolutionnaire. Alors, ce processus révolutionnaire s'intensifie, s'amplifie au printemps, à l'été, surtout 1975, qui est passé à la postérité comme l'été chaud où on voit rivaliser plusieurs tendances à l'œuvre au sein du mouvement des forces armées, plusieurs forces politiques, et dans le nord du pays, une tentative de reprise en main, de contre-révolution, avec à la manœuvre une partie de l'épiscopat, de l'église catholique, dirigée contre les communistes, qui eux-mêmes ferraillent contre l'extrême gauche. Donc une situation extrêmement complexe à l'été 1975, avec des personnalités comme Otello Carvalho, figure tutélaire iconique du 25 avril, qui fait un voyage, qui va à Cuba, qui se fait photographier à Cuba aux côtés de Fidel Castro. Nous sommes à la fin du mois de juillet 1975, et durant l'été 1975, le pays semble en proie au bord de la guerre civile, comme on le dit, à une tension maximale, avec les Occidentaux qui sont de plus en plus à la fois inquiets veulent multiplier les signaux forts en direction de cette révolution des œillets pour éviter qu'elle ne bascule du côté, enfin du moins c'est la tonalité que certains diffusent, regardez la une de Time Magazine, avec cette peur que le Portugal bascule dans l'orbite soviétique, avec, vous voyez, la symbolique qui est retenue sur cette une de Time Magazine. Et de fait, il faut toujours avoir en tête que la révolution des œillets, on va faire un colloque là dans quelques jours à Sciences Po là-dessus, sur la portée internationale et la dimension internationale du 25 avril, enfin de la révolution des œillets, il faut toujours avoir en tête qu'elle s'inscrit dans un contexte géostratégique qui est celui de la détente. C'est-à-dire que depuis 1972-73, par un certain nombre de signaux, les deux superpuissances, Union soviétique et États-Unis, ont opéré une esquisse de rapprochement sur des enjeux stratégiques, signature des accords SALT en 1972, les mouvements des non-alignés des 77 qui se fait entendre et qui organisent des meetings, des sommets, comme celui d'Alger à l'automne 1973, et surtout, en 1975, la concrétisation d'un processus qui a été amorcé au début des années 70, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui aboutit à la signature des accords d'Helsinki le 1er août 1975. Et les accords d'Helsinki, c'est d'une certaine manière, les soviétiques et les américains, au sein de l'Union soviétique, la ligne Brejnev qui l'emporte sur une ligne plus interventionniste incarnée par d'autres au sein de l'appareil politique soviétique qui est plutôt favorable à calmer le jeu au Portugal, bref, à ce que Vasco Gonçalves, que Álvaro Cunha et quelques autres perdent un soutien trop ostentatoire, trop visible, et ça s'en ressent parce que au mois d'août 1975 est formé un gouvernement dirigé par Vasco Gonçalves qui lui va prôner une ligne politique étrangère hétérodoxe, c'est-à-dire de prendre des distances face à l'Alliance Atlantique, qui est pourtant la pierre angulaire depuis le début. Le mouvement des forces armées a dit nous ne toucherons pas aux alliances diplomatiques que le Portugal avait nouées auparavant, c'est-à-dire principalement l'Alliance Atlantique. Et là, avec ce gouvernement provisoire, il y a des signaux forts qui sont envoyés en direction du mouvement des non-alignés, bref, de faire du Portugal un pays non-aligné, voire plus, aux yeux de certains. Et là,
À la fin de l'été, eh bien, la situation atteint son paroxysme de confusion avec un gouvernement qui est nommé en septembre. Je vois vos regards de plus en plus inquiets parce qu'effectivement la situation est confuse et j'essaye d'introduire de la simplicité dans la complexité, exercice toujours redoutable, surtout quand l'heure tourne et que la fatigue gagne. Mais donc pour vous dire qu'au début du mois de septembre 1975, Vasco Gonçalves, le Premier ministre proche du Parti communiste et désavoué par le mouvement des forces armées. Et au sein du mouvement des forces armées s'impose une tonalité qu'on va qualifier la tonalité des modérés, un groupe des neuf, si vous voulez, d'officiers qui sont plutôt favorables à une évolution vers une démocratie à l'occidentale. Bref, faire en sorte que les partis qui sont arrivés en tête à l'Assemblée constituante au mois d'avril, eh bien, on leur donne les coups de franges, les moyens de se mettre en situation et non plus d'être soumis à cette pression à laquelle on a assisté ces derniers mois, notamment qui se concrétise au mois de novembre par le gouvernement qui est littéralement séquestré par à la fois des ouvriers et des forces incontrôlables au sein de l'armée. Il y a des structures militaires qui se sont mises en place au mois de septembre qu'on appelle les SUV. Alors, c'est pas des super voitures de marque allemande avec des grosses roues et des gros moteurs. Ce sont les soldats unis vaincrants qui prônent une autogestion au sein de l'armée et donc ne suivent plus les ordres, les instructions qui leur sont données. Donc, tous ces mouvements rivalistes séquestrent une partie de l'Assemblée et du gouvernement au début du mois de novembre 1975. Et donc cette situation quasi-insurrectionnelle devenue incontrôlable va inciter, alors c'est toute la polémique, un certain nombre d'acteurs, dont le mouvement des neufs, à organiser un contre-coup consécutif à une tentative orchestrée par les forces les plus radicales du mouvement des forces armées et militaires, qui va être organisée par un soulèvement de parachutistes le 25 novembre 1975, qui ne va pas être suivi par une partie de l'armée, par évidemment le chef de l'État, le président Costin Gomsch, et le Parti communiste ne bougera pas à ce moment-là. Donc une confusion assez grande qui va tourner à l'avantage de ceux qu'on appelle les modérés, le mouvement des neufs, qui a mis, pour reprendre la situation en main, en lice ce personnage que vous voyez ici, qui va être élu quelques mois plus tard le premier président de la République portugaise démocratique, le général, il était à l'époque colonel, Ianesh, que vous voyez ici, et c'est lui qui organise la reprise en main, si l'on peut dire, après la tentative du 25 novembre 1975. Et à partir de là, s'ouvre véritablement la période de ce qu'on va appeler alors la consolidation, c'est-à-dire que ça met un terme à une certaine phase du processus révolutionnaire et qui va se évoluer vers, de manière très volontariste, vers la rédaction d'une constitution qui avait pris du retard. Et là, l'Assemblée constituante qui avait été élue pour ça, elle n'était pas élue pour faire des lois, elle a été élue pour adopter et rédiger une constitution. Et donc le travail va reprendre force à partir de ce moment-là et aboutir quelques semaines plus tard, au début du mois d'avril, à la signature, au vote et à la promulgation de la constitution portugaise, la constitution du 2 avril 1976, qui prévoit, qui met en place un régime un peu hybride, un régime à la fois semi-présidentiel et aussi qui confère un rôle important au Parlement. Et avec une troisième force aussi qui compte encore à l'époque, le Conseil de la Révolution, survivance de cette situation que j'ai essayé de vous décrire, avec la mainmise et le rôle éminent des militaires pendant ce processus révolutionnaire. Et donc ces sept constitutions avec des avancées sociales inscrites dans le marbre, ce qui fera que certains diront ensuite que c'est une constitution marxiste, mais une constitution sociale, une constitution politique, qui donnera une assise, une base parlementaire, une base juridique à la démocratie portugaise. Donc s'ensuit bien ensuite des élections, comme c'était prévu, des élections à la législative pour élire un parlement, une assemblée unique maintenant avec la constitution, qui n'est plus l'Assemblée nationale du temps de Saint-Lazare, mais l'Assemblée de la République, et les termes sont importants. Certains ont peut-être aujourd'hui la nostalgie d'une assemblée nationale, mais ça s'appelle bien une assemblée de la République. Et avec une élection qui, le 25 avril 1976, consacre de nouveau la victoire du Parti Socialiste de Mário Soares, qui va être appelé à former le gouvernement quelques semaines plus tard, le premier gouvernement de l'ère démocratique, après avoir fait campagne sur le thème « L'Europe est avec nous ».
ce slogan emblématique de la campagne de 1976 traduit une évolution, une orientation, un horizon que ce parti, notamment, mais pas le seul, va assigner finalement à cette jeune démocratie portugaise qui se consolide avec, au mois de juin, l'élection du général Yanes comme chef de l'État, le premier président de la République, élu au suffrage vraiment universel et qui l'emporte très largement dès le premier tour sur Otelo Carvalho, sorti de prison quelques semaines auparavant, après avoir connu quelques ennuis au cours de l'hiver, et qui est à la deuxième place de cette élection présidentielle. Donc c'est véritablement la fin du processus, et c'est ce qu'on a appelé la transition démocratique, avec une transition très particulière, née d'une rupture le 25 avril, et qui, au terme d'un processus révolutionnaire, s'est traduite par une constitution démocratique, celle qui aujourd'hui régit encore le Portugal tel que vous le connaissez, même si la constitution a été révisée à plusieurs reprises. Alors, enfin, maintenant de conclusion large, grand format, voilà, encore 5 minutes. Oui. Ouais. Ok. Le 25 avril a acquis évidemment une dimension, une force considérable depuis le 25 avril. C'est-à-dire comment concevoir, comment imaginer la célébration, l'enseignement même du 25 avril depuis la révolution des œillets. Alors c'est tout l'enjeu auquel s'est confrontée la société portugaise et la démocratie portugaise. Commémorer le 25 avril, c'est devenu d'abord une obligation légale depuis le lendemain de la Révolution. Très vite, dès 1977, le jour de la Révolution, le jour anniversaire de la Révolution, le 25 avril, a été désigné comme jour férié, comme jour de la liberté. C'est le Dia da Liberdade, c'est le jour de la liberté. Et donc, c'est un jour où on ne travaille pas. C'est très important parce que ça permet d'organiser partout, localement, dans toutes les villes, à Lisbonne bien évidemment, mais pas seulement, des manifestations de diverses natures, notamment des grands défilés populaires, qui sont là pour perpétuer le souvenir d'une révolution sociale et populaire. C'est ça aussi le 25 avril. Et puis, d'un point de vue institutionnel, c'est aussi l'organisation de manifestations institutionnelles à Lisbonne, au siège du Parlement, à l'Assemblée de la République, où des discours sont prononcés, où des œillets sont omniprésents. C'est la journée des œillets. Et tout le monde, ou du moins très longtemps, tout le monde portait un œillet à la boutonnière pour célébrer le souvenir du 25 avril. Et donc, localement, un peu partout, avec des slogans qui ont fleuri comme les œillets depuis, et notamment le Vincing d'April Sempre, qui est la traduction de la permanence qu'il faut eh bien, entretenir le souvenir du 25 avril. Avec des commémorations qui ont acquis une dimension qui reflète aussi l'air du temps et la tonalité politique du moment. Hein, c'est pas un continuum entre 1974 et nos jours. Vous avez eu des séquences assez embarrassées finalement en 1984 pour le 10e anniversaire, dont le maître d'œuvre était en majesté le général promu maréchal Spinola, mais oui, revenu d'exil après avoir organisé des contre-coups d'État au mois de mars 1975, après avoir été exilé, avoir dû quitter le Portugal. Il était revenu sinon en cours, mais comme l'une des figures clés du 25 avril, et c'est lui qui va présider les commémorations du 10e anniversaire en 1984, au nom du rassemblement un peu œcuménique autour de la révolution des œillets. Et puis, se succèdent un certain nombre de phases, et notamment les anniversaires comme le 10e, 20e, 25e, 30e, 40e et aujourd'hui 50e anniversaire ont une résonance toute particulière. Pour mémoire, lors du 30e anniversaire en 2004, eh bien, il y a eu une volonté de parler et d'afficher comme slogan le 25 avril est évolution. Évolution et non pas révolution. Le R avait disparu. Alors, c'était un gouvernement de tonalité PSD à l'époque qui avait mis en place cette commémoration avec cette tonalité-là. Ça a fait susciter à juste titre un certain nombre de polémiques et de débats pour indiquer que, et c'est peut-être l'une des petites musiques qu'on entend de plus en plus ces dernières années, que il faut réintroduire dans une, sinon dans une continuité, mais l'événement 25 avril. Autrement dit, gommer la dimension rupture et la singularité de cet événement pour mieux le réinsérer dans un continuum, dans une chaîne longue. Et réintroduire l'idée que finalement,
comme c'était évoqué tout à l'heure, le 25 avril aurait bien pu ne pas avoir lieu et que la transition démocratique aurait pu être organisée de manière différente. Au prix quelquefois d'un anachronisme, en disant mais ça aurait pu s'inspirer de la transition espagnole, pactée, basée sur... Enfin, vous connaissez la transition espagnole, négociée entre les élites avec un pacte de l'oubli, la loi d'amnistie de 1977, bref. Sauf que la transition espagnole a suivi. D'ailleurs, la révolution des œillets a servi de contre-modèle pour les élites espagnoles, considérant qu'elles devaient surtout éviter ce qui s'était passé au Portugal. Mais donc, pour dire que, d'une certaine manière, le Portugal aurait pu faire l'économie du 25 avril. C'était un petit peu la petite musique en toile de fond qu'on entendait ici et là. Alors, d'où... nécessité de commémorer le 25 avril en mode combatif. Ce fut le cas il y a une dizaine d'années, lorsque, en pleine crise, l'austérité, ces politiques austéritaires qui étaient menées, le slogan du 25 avril, la chanson Grandula, l'hymne de la Révolution, a été scandé dans les années 2012, 2013, 2014, dans toutes les manifestations, dans tous les défilés, avec, vous voyez, cette photo qui le montre bien, c'est le peuple qui commande. Cette phrase emblématique de Grandula, la chanson du 25 avril, qui était scandée pour réaffirmer que les idéaux d'avril, il ne fallait pas les bafouer, il ne fallait pas les oublier, et d'où la volonté de perpétuer le souvenir de manière extrêmement non plus, d'un point de vue simplement institutionnel, une sorte de mausolée, de momification du 25 avril, mais lui redonner une vigueur et une intensité, d'où l'idée de célébrer le 25 avril en mode combatif, quelques illustrations ici et là, pour dire que, voilà, vous voyez les phrases préférées, les périls, les inconvénients quelquefois, ou les ratés de la liberté, au désenchantement de la servitude. Donc tout ça est un discours qu'on voit se multiplier pendant ces années-là et qui montre que le 25 avril a conservé cette force mobilisatrice. Et je pense notamment aux commémorations du 40e anniversaire en 2014. Et puis, et j'en arrive vraiment au point de la fin, de la conclusion, vous avez évidemment cette tonalité qui est en train de changer avec l'arrivée sur l'avant-scène politique d'une formation qui, Schengen, pour ne pas la nommer, l'extrême droite, qui a obtenu un score que vous connaissez le 10 mars dernier, c'est-à-dire 18% des suffrages et 50 députés sur 230, 50 députés sur 230, ça n'est pas rien, et qui depuis sa création en 2019, et d'autres avant, ne cessent de dire que le 25 avril est bon à mettre au panier, aux orties, à jeter aux orties, les œillets avec. Et surtout qu'il faut avant tout commémorer un événement clé du processus dont je vous ai parlé, qui n'est pas le 25 avril, mais qui est le 25 novembre. Et donc le 25 novembre, alors là vous ne voyez pas bien, mais j'ai sorti des innombrables messages sur les réseaux sociaux, parce que la stratégie de Chegg passe par une utilisation forcenée des réseaux sociaux et des algorithmes, pour dire que voilà, ce qu'il faut célébrer, c'est avant tout le 25 novembre, parce que le 25 novembre nous a délivrés du péril communiste. En gros, d'ailleurs, ce qui est écrit, mais enfin, c'est l'idée. Et donc, il va falloir être attentif parce que dans les semaines qui viennent, avec un parti qui aujourd'hui a 50 députés, qui va peser sur le jeu politique, même si il semblerait qu'il n'y ait pas pour le moment d'alliance formelle en vue. Mais le jeu institutionnel et surtout l'arithmétique vont peser dans les mois qui viennent, parce que c'est un gouvernement très minoritaire. Il y en a eu beaucoup dans le passé, et notamment avant 1987, le fait majoritaire, avec les victoires du PSD à l'époque, qui ont consacré le fait majoritaire. Avant, il y avait des gouvernements minoritaires, mais enfin, minoritaires jusqu'à un certain point. Et donc, avec cette tonalité qui est imprimée aujourd'hui au 25 avril, du moins cette remise en question du 25 avril très officielle, qui n'était jusque-là cantonnée qu'à des quelques pans de l'opinion et surtout des partis politiques, même s'il y avait derrière une certaine hypocrisie de façade, parce qu'on sentait bien qu'un certain nombre de formations célébraient le 25 avril avec, on va dire élégamment, beaucoup de retenue. Mais c'était au moins le jour de la liberté, et ça, on disait, on va quand même pas revenir là-dessus. Avec Chegg et ce discours maximaliste sur le 25 avril,
hostile au 25 avril, pardon, on entre dans une nouvelle ère. Et donc, je terminerai là-dessus, sur la nécessité, je vous le disais, d'arroser les œillères. Alors, vous en avez quelques exemples. Cette commémoration du cinquantenaire, qui joue un rôle important et crucial dans les mois qui viennent, qui a été nommée, mise en place il y a déjà 2 ans. Pourquoi il y a 2 ans? Parce que vous allez me dire, en 2024, 2026, oui, mais en 2022, la démocratie a dépassé en durée la dictature. Il y a eu plus de jours vécus en démocratie qu'en dictature. Les 48 ans de dictature dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, en 2022, on a dépassé. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette commission du 50e anniversaire a commencé de fonctionner à ce moment-là. Et elle va fonctionner jusqu'en 2026. 2026, pourquoi? C'est le sens de 50 fois 2. On célèbre 50 ans du 25 avril et 50 ans aussi de la démocratie. Les 50 ans de la démocratie, c'est la fin du processus dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le printemps 1976, les élections, la Constitution, les élections, et même on poussera jusqu'en décembre 76, donc décembre 2026, parce qu'il y a eu des élections locales, les élections municipales, en décembre de 1976. Donc on est vraiment dans une configuration importante où il faut arroser les œillets, comme je le disais, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient non seulement reconnus pour ce qu'ils sont, autrement dit, éviter de passer comme on le dit de plus en plus, du PREC, processus révolutionnaire en cours, au PREC, processus révisionniste en cours. Autrement dit, ne pas réécrire l'histoire du 25 avril à une sauce teintée de nostalgie pour les temps qui précédaient le 25 avril, c'est-à-dire que le Portugal se portait mieux avant le 25 avril, comme commence à le dire de plus en plus à voix haute un certain nombre d'acteurs politiques sur place et ailleurs, hein, parce qu'il y a un nombre de chocs aussi à l'échelle européenne. Bref, arroser les œillets. C'est tout ça, c'est la raison pour laquelle il est important de l'expliquer aussi, d'essayer de, par le biais de ce type d'événements, de conférences ou de commémorations telles qu'elles sont orchestrées, eh bien, de dire ce qu'a été le 25 avril pour que, notamment auprès de la jeunesse, donc majoritairement vous, dans la salle, vous soyez capable de faire la part des choses et de savoir ce qu'a été le 25 avril, qui reste un événement phare pour le Portugal, la démocratie portugaise, vous l'avez bien compris, mais aussi un événement phare à l'échelle européenne et mondiale. C'est un événement qui a une portée considérable. Ça a été rappelé tout à l'heure, ça a ouvert de nouveaux horizons le 25 avril, quelquefois pour s'en démarquer. Il y a eu beaucoup, certainement, de déceptions. On a parlé de révolution inachevée ou de désenchantement par rapport aux idéaux d'avril. Mais c'est un acte fondateur et un acte essentiel de l'histoire du Portugal au XXe siècle et de l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Donc c'est pour ça que, en permanence, eh bien, répétons jusqu'à plus soif, 25 d'avril, sempre, le 25 avril, toujours. Merci. Merci à vous pour cette présentation extrêmement détaillée, extrêmement minutieuse, et pourtant qu'on arrive à suivre comme une série Netflix, très d'une façon très agréable, vraiment. Il y aura une saison 2, hein. Oui, en tout cas, on voit que ce sont effectivement c'est une période très complexe, et justement les commémorations et l'enjeu des commémorations actuelles révèlent cette complexité, les différentes forces qui sont en jeu. Et bon, j'imagine que votre présentation va susciter beaucoup de réactions, de questions peut-être, ou de commentaires, avec alors peut-être une contrainte, parce qu'il faut que les questions soient formulées dans le micro, donc je vais peut-être me lever, et j'aimerais bien faire fonctionner cela, parce que je pense qu'on a raté quelque chose, je ne sais pas quoi, je vais demander c'est le projecteur, ça. Oui, ça c'est le projecteur. D'accord. J'ai peur de faire des bêtises en... Alors, je sais pas, il y a peut-être un bouton. Là, ça m'a l'air allumé. Ouais. Et on n'arrivera pas à gérer le micro, les deux micros. Je vais me lever. Ah, mais non, il faut que je vais aller. Non, mais posez la question et puis je verrai. Là, ça. Vous m'entendez? Ah, oui, ah. Là, ça marche. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Réagir? Sinon, j'ai éventuellement.
Alors, je vais peut-être moi poser une première question. Je m'interroge sur la réaction des gens qui vivaient en Outre-mer au moment où ils ont appris le coup d'État au Portugal. Quelle a été leur réaction dans un premier temps? Comment est-ce qu'il y a un sentiment d'inquiétude, justement, parce qu'ils voyaient se profiler l'indépendance des colonies? Oui, ben c'est tout le problème de la portée et des limites de ce que j'ai appelé le colonialisme tardif. C'est-à-dire que Salazar avait décidé à la fin des années 50 d'inciter massivement les Portugais à, non pas émigrer, c'était pas le terme, mais à s'installer en Angola et Mozambique. C'est-à-dire, l'idée, c'était de favoriser un peuplement blanc dans ces provinces de plus en plus encerclées, de plus en plus menacées. Et donc, massivement, des Portugais se sont installés sur place alors qu'ils étaient relativement peu nombreux. La colonisation portugaise, jusque-là, en Outre-mer, c'était pas des entités très très importantes. Hein. C'était quelques milliers de personnes, mais pas... Là, massivement, vous avez, à partir de la fin des années 50, plus de 500 000 Portugais qui vont s'installer principalement en Angola et Mozambique. Et donc, ce sont des colons de fraîche date, on va dire, qui se retrouvent d'abord confrontés à la guerre, pendant ces années, toutes ces années de la fin du salazarisme, et qui, en 1974-75, évidemment, les événements qui se produisent à Lisbonne, enfin en métropole, comme on disait, n'ont pas la même saveur, la même tonalité pour eux. Parce que, pour beaucoup, ça signifie la fin de l'aventure, la fin de cette présence, quelquefois, pour certains, installés de plus longue date, beaucoup de nostalgie. Autrement dit, un peu des phénomènes analogues à ceux qu'on a observés en France avec l'Algérie et les pieds noirs, etc. D'ailleurs, ceux qui vont être revenir dès l'été 74, mais surtout à l'été 1975, d'Angola, Mozambique, c'est les fameux retornados, c'est-à-dire les pieds noirs rapatriés qui reviennent avec beaucoup de ressentiment, pour la plupart, ressentiment à l'égard de la situation, du sort qui leur a été réservé. Et plus tard, ça a une incidence politique, ressentiment également à l'égard de ceux qu'ils vont juger responsables de leur situation et du retour précipité, à leurs yeux, en métropole. Et donc, ressentiment à l'égard des autorités politiques de l'époque. Un homme, notamment, qui va focaliser la haine de ces retornados, c'est Mario Soares, jugé responsable de cette décolonisation bâclée, à la hâte, malmenée, on aurait pu faire autrement, enfin tout un discours qui a été orchestré autour de ça, avec des forces politiques aussi qui ont par la suite propagé ce discours, entretenu ce discours, et qui aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'on appelle la dimension de la normalisation d'un discours comme celui de Chega aujourd'hui, qui récupère aussi sur cette question de la nostalgie, on va dire, coloniale et de la présence outre-mer, qui récupère une partie de ce ressentiment, de cette amertume venue de la période de 1974-75, oui. J'aurais une autre question, peut-être en pensant plus par... Ah, Michel ? Bon, c'est la dernière pour moi. Oui, alors vous avez aussi publié, j'ai omis de le dire tout à l'heure, une biographie de Salazar, du dictateur Salazar. Donc elle est publiée au Portugal et donc bientôt, le 18 avril, elle va paraître en France également. Donc personnage complexe, effectivement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Portugal, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, mais une nostalgie du personnage et de cette période. Est-ce que cette nostalgie est palpable? Bon, là, avec les élections, ça paraît assez évidente, mais est-ce que en dehors, effectivement, de l'actualité récente, est-ce qu'on peut, dans la société portugaise, percevoir cette nostalgie? Alors, la nostalgie de Salazar, directement, elle n'est pas forte, elle n'est pas palpable à tous les strates de la population. En revanche, alors sur la nostalgie du salazarisme, certains nourrissent
à l'égard de certaines dimensions du salazarisme. Oui, une forme de nostalgie. J'évoquais tout à l'heure toujours cette Portugalité exemplaire, la grandeur de la nation bafouée. Bref, c'est le registre très trumpien du « Make Portugal great again hein. ». On a cette toile de fond qui est très présente dans un certain discours, oui, d'essence salazariste, parce que Salazar incarnait la grandeur, le moment où le Portugal n'était pas un petit pays. Enfin, tout ce discours-là, et ça, c'est assez présent. Ensuite, sur l'image même du dictateur, sur Salazar, c'est assez difficile. C'est pas du tout analogue et comparable à ce qu'on observe, par exemple, en Italie d'une certaine manière, mais surtout en Espagne avec Franco. D'abord parce que les deux, si vous voulez, l'ancrage dans la mémoire de ces deux personnages n'est pas du tout la même, par leur nature personnelle, pas de monuments emblématiques comme le Val dos Los Caídos en Espagne. Il n'y a pas d'inhumation et exhumation, on dirait plus récente, de Franco. Reconnu, mais ça tient pour beaucoup à la transition même. Hein. Je reviens toujours à cette question clé de la transition. Le salazarisme et Salazar en 1974 sont très largement, temporairement certes, mais invalidés. Il n'en va pas du tout de même en Espagne, où la transition se fait avec l'assentiment des proches de Franco et de Franco qui avait préparé ce type de succession, même si son destin ne sera pas le même qu'il avait prévu, mais loin de là. Mais vous avez un rapport, si vous voulez, à ces dictateurs qui est complètement différent. Donc c'est très diffus. Moi, j'ai du mal à cerner ça. Je m'y suis risqué. Il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de poussière sous le tapis, beaucoup d'anecdotes personnelles que les gens gardent sur Salazar, et surtout une image, et je pense que c'est là qu'il y a le... Moi, je vais parler de danger, mais certains diront c'est merveilleux, mais l'image peut-être la plus forte et la plus problématique que garde Salazar auprès d'une partie de la population portugaise, c'est l'image de la probité et des comptes bien tenus, quoi. C'est-à-dire ce discours qui fait qu'un homme d'État doit rester honnête et ne pas piquer dans la caisse. Et quand on regarde effectivement le parcours de Salazar, c'est que si son régime était très corrompu, tous ceux qui l'entouraient étaient effroyablement corrompus, au sens clientélisme, favoritisme à tous les étages, népotisme, etc., et aussi piquer dans la caisse si besoin, Salazar ne l'était pas, lui, à titre individuel. Il l'a entretenu, il a laissé faire, il a souvent fermé les yeux, mais à titre personnel, on a beau chercher. Voilà, ça regarde. Et ça, vous avez une partie de la population qui conserve, c'est ce que on appelle généralement la nostalgie des trains qui arrivent à l'heure, quoi. C'est-à-dire cette espèce de tonalité, cette petite musique qui, par des temps d'incertitude, un peu délétère, comme nous en traversons en ce moment, peut avoir une certaine résonance. Et ce qui fait que, c'est souvent cité, mais Salazar, en 2007, il y avait eu un sondage, enfin pas un sondage, une espèce de radio-trottoir organisé par, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, enfin, c'était pas très scientifique, mais enfin, la RTP avait organisé un truc sur le portugais, le plus grand portugais de l'histoire, en quelque sorte. C'était pas formulé tout à fait... De l'histoire, parce qu'il y avait des navigateurs, enfin il y en avait d'autres hein, derrière, et donc il était arrivé très largement en tête, distançant des politiques ou des grandes figures portugaises comme moins chez les autres. Donc c'est un signe parmi d'autres, même s'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que c'était pas un sondage en bonne et due forme, et voilà, ça a été beaucoup pointé du doigt, mais c'était un indicateur, et on était en 2007. Et vous avez beaucoup de Portugais dans une certaine frange de l'échiquier politique, mais là encore, il ne faut pas se focaliser sur le seul Chega à aujourd'hui. Hein, et je dirais que il y a une forme, je crois, très importante dans la percée de Chega qui s'explique par une forme de normalisation justement de ces thèmes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une forme de soumission à l'ordre établi, l'austérité, discours austéritaire que un certain nombre de responsables politiques utilisent
à satiété pour, en contrepartie, que l'obéissance soit parfaite, le faire vivre les Portugais, le Portugal habituellement, disait Saint-Lazare. On a un peu cette petite musique, et puis la figure, la stature de l'homme d'État. Et ça, cette figure, cette stature de l'homme d'État, elle risque de prendre, elle a déjà pris une certaine ampleur, elle risque d'être confortée dans les mois et les années qui viennent. Les raisons qu'on imagine aisément. Et ça, vous avez des forces politiques qui n'en font pas mystère, qui martèlent un peu cette idée, qui pourrait prendre une certaine ampleur. Oui. Il y a aussi la question de la sécurité. Autrefois, on dormait la porte ouverte. C'est ça. J'ai résumé ça sur les trains qui arrivent à l'heure. Mais les trains qui arrivent à l'heure, c'est un sentiment de sécurité. Voilà. Alors, Michel. Merci Yves pour ton exposé quand même très très dense, même si tu as essayé de faire de mettre le simple dans le complexe ou le complexe dans le simple, je ne sais plus dans quel ordre, ou les deux. Un tout petit mot sur ce que tu viens de dire. En ce moment, c'est le 50e anniversaire. Donc les gens qui avaient 20 ans en 74, ils ont 70 ans maintenant. Ceux qui avaient 40 ans en 74, ils ont 90 ans aujourd'hui. Donc il y a une génération qui est en train de disparaître. Donc même les gens qui vont dire des choses plutôt positives sur... Moi, j'ai pas tellement remarqué au Portugal sur Salazar, mais sur la dernière période de Caetano. Mmh. Où, voilà. Pas nostalgie de la personnage de Caetano, mais sur le début d'ouverture, sur l'évolution. Bon. Oui. Donc, les gens qui ont une vraie nostalgie de Salazar, je pense qu'ils sont très. Ou du salazarisme, de cette période, ils sont très minoritaires, et de toute manière, ils sont en train de mourir. Donc aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on a, c'est quelque chose de nouveau. Le nouveau parti d'extrême droite, il ne se présente pas comme directement salazariste. C'est une nouvelle forme populiste de droite. Ils ont commencé par une propagande virulente, pas seulement contre les immigrés, mais surtout contre les tziganes, donc les gens qui ne sont pas des immigrés, mais qui sont une autre partie de la nation, etc., etc. Mais ça, c'est juste une petite remarque. Ce que je voulais te demander, s'il te plaît, c'est si tu pouvais donner quelques éléments dans toute cette période, ce processus révolutionnaire en cours. C'était pas simplement des militaires d'extrême gauche qui combattaient des militaires de gauche, qui combattaient des militaires de droite. Il y a aussi tout un processus de révolution sociale en cours. Donc, est-ce que tu peux donner quelques éléments sur les luttes ouvrières, sur les luttes paysannes, sur les luttes de femmes aussi, etc. Alors, oui, bien sûr, mais au risque, effectivement, on est obligé de faire des raccourcis assez douteux. Alors, je voulais revenir sur la question des jeunes. Quand j'évoquais les jeunes, c'est bien ce sujet que j'avais en tête. C'est-à-dire que les acteurs, les témoins, ceux qui ont vécu à la fois le 25 avril et ceux qui ont vécu les temps qui ont précédé le 25 avril, ils disparaissent. Par le jeu de l'usure, la vieillesse, etc. Et donc ça, c'est tout le problème de ces événements historiques d'une telle portée. On passe de l'ère du témoin, de l'acteur du témoin, à l'ère de l'histoire, si on veut, mais avec une mémoire historique qui risque d'être dénaturée par, justement, des discours transgressifs qui dénaturent la réalité du 25 avril. Et je partage, effectivement, ce que tu disais sur la nostalgie peut-être la plus forte, oui, c'est de l'ère marcelliste. C'est-à-dire que ce personnage de Marcelo Caetano incarne, et notamment auprès d'une partie de la droite, c'est-à-dire ce qu'aurait pu être s'il avait été suivi, s'il avait eu plus de détermination lui-même, si les ultras, etc., si et si et si, ce qu'aurait pu être une transition autre et une évolution dans la continuité. C'est ce qu'il appelait d'ailleurs de ses voeux, évolution sans révolution. Enfin, il avait toute une terminologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent une réhabilitation, mais une redécouverte un peu du personnage, et notamment sa famille, il y est aussi pour beaucoup, et on voit beaucoup de livres, de témoignages en ce sens. Donc, je partage tout à fait. Après, oui, alors, je l'ai dit à un moment, c'est-à-dire qu'il y a une efflorescence extraordinaire. Le Portugal devient un champ d'expérimentation extraordinaire de toutes les potentialités, tous les espoirs de changement de société. Hein. C'est-à-dire qu'on va très très loin, on a une volonté, on dira qu'à l'époque, plus tard, en France, changer la vie, mais c'est véritablement ça. Il ne s'agit pas simplement de changer d'institution, de système politique ou de renverser une dictature, bien évidemment. Il s'agit de renverser l'ordre immuable des choses par des actes et des
expérimentations sociales. Enfin, donc, ce sont des occupations d'usines. Ce sont parce que les occupations d'usines, ça fait partie d'un discours militant, mais ça répond aussi à une demande d'évidence. Beaucoup de patrons d'usines, beaucoup de responsables d'entreprises, etc., ont quitté le pays. Et donc, il y a un vide. Et ce vide va être comblé par un certain nombre d'acteurs très déterminés qui vont expérimenter des tas de formules, mais très tôt. Je parlais du 1er mai 1974, tout ça se met en place très très rapidement. Et donc, avec les revendications, alors les revendications les plus évidentes sur le droit de grève, sur le salaire minimum, sur... ça, ce sont des thématiques qui vont être gravées dans le marbre, non sans difficulté et non sans retour en arrière. Je pense au droit de grève notamment, qui sera l'un des enjeux forts de l'été 74, avec le discours notamment du Parti communiste, on va dire une vision à minima. Et donc ça, ce sont des avancées, ce sont des choses qui vont rester parmi les acquis de la révolution des œillets. Sur le plan sociétal, le mouvement des femmes va également, on est dans cet esprit en 1974-75, elles vont, si elles ne sont pas en première ligne, les plus visibles la journée du 25 avril, parce que c'est un mouvement de militaires, je le dis souvent, on dit, mais il y a assez peu de femmes, il y en a dans la rue, bien évidemment, dans la journée du 25 avril, mais les acteurs principaux du 25 avril, ce sont des hommes. Des hommes parce que, alors, évidemment, c'est la résultante d'une société très patriarcale, etc., etc., mais c'est aussi parce que quand vous avez affaire à des militaires, à l'époque, ce sont, essentiellement, ce sont des hommes qui sont aux manettes. Et donc, les officiers du mouvement des forces armées, ce sont des hommes. Mais les femmes vont se mobiliser très très fortement pour obtenir un certain nombre d'avancées, dont la reconnaissance du divorce. Le divorce qui était l'un des points d'ancrage fort, parce que la société salazariste avait été revenue sur un des acquis de la Première République, la République parlementaire, qui avait instauré le divorce civil, mais le concordat de 1940 était revenu là-dessus et avait imposé de nouveau l'interdiction du mariage dès lors que celui-ci était religieux, comme tout. Le divorce, pardon. Du divorce, l'interdiction du divorce qui est depuis 1940. Donc ça fait partie des grands acquis de la période révolutionnaire. Après, sur la réforme agraire et l'occupation des sols, qui est une des clés en péninsule ibérique, traditionnellement, la question de la propriété foncière, et notamment de ces grandes terres agricoles latifundières, de l'Alentejo, de la vallée du Tage, Ribatejo, etc., ça fait partie des potentialités inachevées de la révolution des œillets, c'est-à-dire que ça va tarder à être organisé par des décrets-lois, etc. Quand ils vont être pris, ils vont être non appliqués, ça va donner une effervescence considérable à l'été 1975, et donc la réforme agraire sera très largement inaboutie, inachevée, et laissera beaucoup de... Mais là encore, il y a eu des occupations de terres nombreuses dues au départ des grands propriétaires, des herdades, qui fuient, qui quittent le pays, qui vont en Espagne notamment, et qui laissent, et quelquefois qui détruisent l'appareil productif, parce que il faut avoir tout ça en tête. C'est-à-dire, on préfère tuer le bétail et les sols les rendre inexploitables plutôt que de les laisser à des populations qui vont les occuper et les exploiter. Donc, la réforme agraire fait partie de ces grands sujets qui n'aboutira pas vraiment. Et puis ensuite, sur les grandes avancées sociales du 25 avril, moi, ce que j'en retiens, c'est une société, ça peut être une influence sur la suite aussi, d'une société qui s'est, en quelques semaines, qui a eu la possibilité de débattre, de se concerter, de mener des initiatives, quelquefois de manière très confuse, tout ce qu'on veut, mais cette capacité de débattre et de se confronter, de se dire des choses, d'essayer de mener des opérations ensemble, de se doter d'instances. Je pense à la question du logement, par exemple, de l'occupation qui était et qui reste un des grands problèmes structurels de la société portugaise, la question de l'habitat, du logement, et qui s'est posée avec une force considérable dès les premières semaines du 25 avril, avec des commissions qui ont été mises en place d'occupation des logements. Et donc ça fait partie, oui, des apports du 25 avril. Après, je vous dis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été laissées de côté, abandonnées, voire remise en question par la suite.
y compris sur d'un point de vue institutionnel, avec la Constitution de 76 et son détricotage progressif sous forme de révisions successives, et notamment cette question de la nationalisation de l'appareil productif, les décrets pris après le 11 mars 75 et qui figurent encore dans la Constitution de 76, eh bien, ont fait l'objet d'une révision pour en finir avec un de ces héritages du processus révolutionnaire. Voilà. Parmi les étudiants. Ah. Non, c'était juste. Vous avez parlé des femmes. Et en effet, la situation, la condition des femmes, en fait, a fait aussi un bond en avant, grâce, si on peut dire, à quelque chose de dramatique, c'est-à-dire la guerre dans ce qu'on appelait les colonies à l'époque. C'est-à-dire que les hommes partaient, les jeunes partaient pendant 4 ans. Enfin, ils partaient. Le service militaire durait 4 ans. 2 ans au Portugal de préparation, 2 ans dans ce qu'on appelait les colonies, les territoires d'Afrique. Donc, les femmes ont pris leur place. Par nécessité, évidemment. Et donc, leur situation a fait, en effet, un bond en avant. D'ailleurs, il y a eu une présence des femmes dans le monde politique. Après, dans le Portugal démocratique, il y a eu une femme première ministre, et vite, Melouche Pinto Silva, etc. Donc, pardon ? Il y en a eu qu'une. Oui, il n'y en a eu qu'une. Mais enfin, il y avait pas mal de femmes, oui, qui ont pris des responsabilités. C'était la première. Grâce à ça. Ça a été une conséquence, bien sûr, on serait bien passé, mais ça a été une conséquence, en effet. Les jeunes, souvent, partaient 2 fois, parce qu'à la fin, il n'y avait plus assez de monde. Donc, on allait rappeler des gens qui avaient déjà été dans la guerre, qui avaient déjà été dans les territoires d'Afrique. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui a, en effet, beaucoup marqué le pays. C'était des jeunes, souvent, comme vous, hein, et qui partaient, qui ont interrompu parfois leurs études, qui n'ont pas réussi après à finir, qui revenaient quand ils revenaient, souvent très traumatisés, il n'y avait pas de cellule d'aide psychologique à l'époque. Donc, ça a été vraiment un drame qui a... Ça a été vraiment un drame qui a beaucoup marqué le pays. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Non, mais je partage complètement, effectivement, ce rôle des femmes a été très en amont aussi. Moi, je l'ai souvent évoqué, mais même ces capitaines d'avril, hein, on parle d'eux, mais leur entourage personnel, familial, a beaucoup compté, notamment les femmes qui étaient à leur côté, qui avaient souvent une culture politique, d'ailleurs, une sensibilité politique plus affirmée que certains d'entre eux, parce qu'elles exerçaient des professions dans l'enseignement, institutrices, etc. Elles avaient cette culture politique, cette sensibilisation à l'ère du temps, qui était quelquefois supérieure à celle de leurs compagnons, et donc qui ont joué un rôle. Et puis, on l'évoque souvent, mais aussi cette résistance au salazarisme finissant au marcellisme, avec les trois Marias qui ont beaucoup compté aussi à l'époque, en 1972, hein, il faut s'en souvenir. On va rééditer, je crois, prochainement les nouvelles lettres portugaises dans une nouvelle édition, une nouvelle traduction, même en France, je crois. Donc, c'est un ouvrage qui a beaucoup compté. Elles ont connu beaucoup de déboires avec, mais ça a beaucoup compté comme enquête sociologique, en quelque sorte, qu'elles avaient faite de la société sclérosée, patriarcale, machiste portugaise de l'époque. Oui, avec paradoxalement, comme le disait Madame Binet, effectivement, ces femmes qui ont dû se mettre à travailler, et d'ailleurs, oui. Le taux d'occupation des femmes au Portugal est extrêmement élevé par rapport à la moyenne européenne, contrairement à ce qu'on peut croire par rapport à un pays du Sud. Hein, les femmes sont très actives, hein, et depuis longtemps, hein, au Portugal. D'autres commentaires ou réactions ou questions? Alors, je vous propose de clore cette séance, en remerciant à nouveau Yves Léonard. Merci beaucoup pour votre présence.